Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Oh, chaque il règne à jamais. Chantons saint, oh éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône, il règne à jamais. Encore une fois, saint, oh éternel, Dieu de l'univers, digne de Dieu assis sur le trône, il règne. Assis sur le trône, il règne à jamais. Sur ton trône éternel des âmes.
Jésus s'est levé, 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 pour ma vie. Jésus s'est levé, 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 Jésus s'est levé. Jésus s'est levé, mon Dieu, mon roi. Jésus s'est levé, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé, Jésus s'est levé. Acclamons-le, alléluia. Jesus. Wow. Jésus s'est levé. Wow! Alléluia! Père, nous bénissons ton nom pour ta présence. Magnifique est ton nom, Père très saint. Merci pour ton règne, Seigneur, parmi nous et cette parole que tu nous as apportée, Seigneur, mon Dieu. Cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, en ce jour. En ton nom, Adonai, Dieu d'Israël, nous nous approchons, Seigneur, de ton trône. Oh, alléluia! Béni soit ton nom. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu soit béni. Merci pour cette belle présence du Seigneur. Ta présence est parmi nous. Centré sur toi, Jésus, je reviens au cœur de la louange. Pour tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus, roi d'éternité, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus, centrer sur toi. Centré sur toi.
Est-ce que vous l'aimez? Do you love him? Nous l'aimons. We all love him. Il est beau. He is beautiful. Il est tout puissant. He is almighty. Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. We would like to receive those of you who come for the very first time. Si vous voulez bien vous lever, ceux qui sont debout, levez simplement la main. And those of you who are already up, you may just raise your hand, please. Et nous le recevons avec joie. And we will receive them joyfully. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Soyez les bienvenus chez vous. Be welcomed in your house. Amen. Amen. À la fin, on aimerait bien parler, partager avec vous. Donc, venez nous voir si vous le voulez à la fin. Amen. Gloire à Dieu. On va vous remettre des livres tout à l'heure. Je ne sais pas si, je pense qu'il y en a encore. À la fin, on vous donnera des livres. Le livre Église de l'Odyssée. Wow. Il se passe des choses. Things are happening. Quoi? What in particular? Dieu seul le sait. God only knows. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous amène quelque part. But a certain thing is that the Lord is leading us somewhere. Alléluia. Alléluia. Comme d'habitude, les hommes chez nous qui sont assis naturellement laissent leur place aux sœurs. Et surtout les femmes qui sont venues pour la première fois. Ils sont venus de loin et les voir debout, je crois qu'un homme digne de ce nom ne pourra jamais l'accepter. Alléluia. À part bien sûr les hommes qui sont venus pour la première fois, mais ceux qui ont surtout l'habitude de venir, voir toutes ces sœurs debout. Voilà. Ce n'est pas une obligation, c'est juste voilà, une pensée comme ça que je vous partage. Nous étions à Bruxelles hier. Yesterday we were in Brussels. Dieu nous a fait du bien. The Lord did us good. Et merci en tout cas à l'équipe de TV de Vie. And we bless the team TV de Vie. Pour votre zèle. For your zeal. For your zeal. Ce zèle permet à beaucoup d'être touchés. This zeal allows many people to be touched. Voilà, il y a Martin qui vient de libérer sa place. Voilà, Martin, 10 ans. Il faut le souligner. Par la bouche des enfants, nous dit Psaume chapitre 8, Dieu a fondé sa gloire, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà, une femme qui a mal aux jambes peut aller s'asseoir là-bas. Waouh! Nous avons, vous savez que le Seigneur nous a mis à cœur d'ici la fin de l'année de faire plusieurs tournées ici et là. As you already know, the Lord has put the desire in our heart to turn around France by the end of this year. D'arrêter le programme ici pour aller un peu partout. To stop this program out here to turn around. Avec TV de Vie. With TV de Vie. Radio de Vie. And Radio voilà. De Vie. Et un frère touché par le Seigneur nous a offert un bus. And a brother touched by the Lord offered us a bus. De 22 places. Of 22 seats. Qu'il a, n'est-ce pas, modifié, voilà, et on peut le conduire avec un permis normal, permis B. And this bus can be driven with a regular license, driving license. Donc il a réduit à 7 places, et derrière, on peut arranger le matériel de TV de Vie pour bouger ici et là. So the bus has 7 places, 7 seats, and some room to put the instruments at the back. La révision de la Bible de la Martin de 1744 avance bien. So the revision of the Bible gets along well. Dieu nous fait grâce. The Lord does us grace. It's gracious. Tout va bien d'ici fin juin, on aura fini. If everything is all right by the end of June, we will be done. Alléluia. Alléluia. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu nous donne le discernement de voir plus loin, hein? Gloire à Dieu, comme l'aigle, les aigles, vous savez. Voilà. Donc, en 5 mois et demi, le Seigneur nous a donné 60, je ne sais pas David, et où, plus de 60 000 euros.
So in 5 months and a half, the Lord has already given us over 60,000 euros. Le Seigneur vraiment nous surprend. The Lord surprises us a lot. Alléluia. Alléluia. Il nous faut 95 000 euros. And we need 95,000. Et c'est pas un problème. Le reste, on va les avoir. But we know that we're going to have the money, so we're not worried about that. Et avec ces 95 000 euros, on va sortir 10 000 exemplaires, comme vous le savez. And with those 95,000 euros, we will release qu'on va distribuer gratuitement. Copies of the Bible that we will spread freely. Car nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Therefore, we should give freely too. Et comme vous le savez, on ne doit pas vendre la parole de Dieu. We must not sell the word of God. On ne doit ni vendre la Bible, neither sell the Bible, ni vendre les ouvrages chrétiens, nor selling the ni vendre la formation biblique, books, nor the biblical school. N'est-ce pas? Dans le royaume de notre Père, in the kingdom tout of est our gratuit. Fathers, everything is free. Et nous voulons, n'est-ce pas, avec cette distribution de la Bible, and with this the sharing of the Bible, montrer aux frères et sœurs, aux chrétiens, que nous pouvons faire avancer le royaume du Seigneur sans vendre. We want to show the brother that we can make the cause the kingdom of God to advance without selling. Et c'est possible. And it's possible. Amen. Hallelujah. Dieu soutient son œuvre. God sustains his work. Vous avez vu, on a pris la nouvelle Sono. Did you see there is a new sound system? 60 400, ouais, voilà. 60 400, voilà. Que le Seigneur soit béni. Et donc Dieu nous surprend. So the Lord surprises us a lot. Nous voulons vraiment que toute l'Europe soit embrasée par le feu du réveil. We want Europe to be set on fire by the gospel of Jesus. Après ces 10 000 exemplaires, now, after those 10,000 copies, nous allons nous organiser si c'est possible d'avoir carrément notre propre imprimerie. We will try to find out whether it's possible to et imprimer des millions de Bibles. And to, in order to pour print inonder out toute millions la francophonie and millions of Bibles to set on fire all, au nom de Yeshua, all France and all the francophonie. Et c'est possible. And it's possible. C'est possible. It is possible. Qui croit que c'est possible? Who believes that it's possible? Tout est possible à celui everything qui croit. Everything is possible to whoever believes. Wow. Pourquoi la Bible de Jésus? Why the Bible of Jesus? Parce que toute la Bible est remplie de son nom. Because the Bible is full of his name. De Genèse à Apocalypse. From Genesis down to Revelation. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de gloire, Yeshua, le maître des maîtres. But the King of Kings, Jesus of Nazareth. Amen. Hallelujah. Et celui que nous voulons présenter. And he is the one that we want to introduce to you. Le 19 décembre. December the 19th. Nous avons déjà réservé la salle de la nuit de d'action de grâce. Right. We've already booked the room for the Thanksgiving overnight prayer. Ça sera au même endroit qu'en 2012. It will be savez. At the same room that back in 2012. À Sarcelles. In Sarcelles. Donc à partir de midi, la salle sera disponible pour installer tout ce qu'il y a à installer. So from midday, the room will be already open to put everything right. Le programme commencera à 18h30. And the program will start off at 6:30. Je crois que ceux qui viendront à 18h30 n'auront plus de place. Et ils sont en train de l'agrandir, d'agrandir cette salle. Alléluia. Et il y aura, on va mettre à la disposition des frères et sœurs au moins 2 bus. There will be at least 2 ou 3 bus. Put at the disposals of the brothers. Donc sur les gares de Groslay et Sarcelles. And these buses will go around from different on vous donnera tous les détails après. And all the details will be given later. Amen. Hallelujah. Alors chacun sortira de là avec sa Bible. So everybody will come out with his own Bible. Et puis après on passera à autre chose. And then we will deal with something else. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Yes, he is. Ah oui. Qui le croit réellement? Who believes it? Alléluia. Sophonie. Zephaniah. Chapitre 1er. Chapter 1. Le jour du Seigneur. The day of the Lord. Le jour du Seigneur. Day of the Lord.
Sophonie était un prophète que le Seigneur a suscité au 7e siècle avant Jésus-Christ. Zephaniah was a prophet that the Lord brought in on the 7th century before Jesus. Et il a reçu une vision particulière sur le jour du Seigneur. And he received a very particular vision on the day of the Lord. Frères, sœurs, brothers and sisters, hommes et femmes, men and women, athées et je sais pas, en fait tout le monde, écoutez bien. Atheists, believers, listen up. Parce que je sais qu'il y a de tout. Because I know that there is everything here. Quoi que les athées ne sont pas athées. Although atheists are not really atheistic. Amen. Hallelujah. Je voudrais quand même ouvrir une parenthèse là-dessus. I would like to open up a bracket on that. L'athéisme n'existe pas. Atheism does not exist. Posez-moi la question pourquoi. Ask me why. Parce qu'un athée. Because an atheist. Qui? C'est quelqu'un. Who is an atheist? Qui croit que Dieu n'existe pas. An atheist is somebody who believes that donc, God does not exist. S'il croit. So it means that if he believes. À la non-existence de Dieu. That God does not exist. Il est croyant. It means that he believes. Alléluia. Hallelujah. Donc c'est pour cela que nous saluons tous les athées. So that's why we greet all qui the sont atheists. Croyants. Who believe. Qui croient en l'athéisme. Those who believe in atheism. Tout le monde est croyant. Everybody is a believer. Nous avons été créés comme ça. We've been created like that. Et le jour du Seigneur, c'est and quoi? On the day of the Lord. What is the day of the Lord? C'est le jour the day of the Lord is où Dieu va intervenir. The day when the Lord is going to intervene. Dieu va ouvertement intervenir dans nos affaires. The Lord is going to openly act in Dieu, men's businesses. Depuis la destruction de Babylone. From the time of the destruction of Babylon. Il a livré les nations, n'est-ce pas, à leur propre folie. The Lord has surrendered the nations to their own madness. Et dès l'instant où Nebuchadnezzar, roi de Babylone, n'est-ce pas, a déporté les Hébreux de Jérusalem à Babylone. And from the time Nebuchadnezzar deported the Hebrews from Jerusalem down to Babylon, le temps des nations a débuté. The time of the nations has started at this time. C'est-à-dire, les nations ont reçu de la part du Seigneur l'autorité pour se gouverner. It means that the nations they have received the authority from God to govern over themselves. Comme un enfant qui veut toucher au feu. Just like a child who wants to touch fire. Et là, à qui son père ou sa mère lui dit ne touche pas parce que tu vas te brûler. And to whom the father or the mother said don't touch because you're going to get burned. Et si cet enfant refuse, ben un bon parent fera quoi? Ben il va le laisser toucher pour apprendre. And if this very child refuses to obey, then a good parent is going to let him touch. Les nations n'ont pas voulu écouter Dieu. Because the nations didn't want to hear God. Les nations n'ont pas voulu obéir à la parole de Dieu. The nations didn't want to obey the word. Et le Seigneur les a livrés à leur propre vanité. So the Lord actually surrendered them to their own vanity. Ce temps de nation, comme vous le savez, a commencé avec la captivité babylonienne. And this time of the nations have started with the Babylonian captivity. Alléluia. Alléluia. La parole nous apprend. The word of God says. Que Nebuchadnezzar, that Nebuchadnezzar, roi de Babylone, king of Babylon, va arriver à Jérusalem. He got to Jerusalem. Suivez bien cet enseignement. Listen carefully this teaching. Ne laisse personne, don't let anybody, mon frère, ma soeur, te distraire. Brother and sister, distract il arrive à Jérusalem et il va assiéger la ville. He arrived to Jerusalem and he besieged the city. He besieged pendant the city. 3 ans et demi. For 3 years and a half. Personne n'entrait à Jérusalem ni n'en sortait. Nobody could come in or get out. Et les femmes juives, nous dit la parole, certaines femmes juives ont commencé à manger leurs propres enfants. And the Bible says that some Jewish women they started to eat their children. À cause de la famine. Because of the famine. Dieu a livré cette grande ville que Jérusalem aux nations. God surrendered this big city of Jerusalem to the nations. Et nous sommes en 586 avant Jésus-Christ. And we talk about this period 586 au 6e BC siècle. Before Jesus, before Christ, et on the 6th century. Ce temps de nation a débuté officiellement lorsque la gloire de Dieu va quitter le temple. And this time dans of Ézéchiel the nations, 11. Right, and this time of nation has started when the glory of God left the temple. Dieu n'était plus le roi d'Israël. God was no longer the king of Jerusalem, of Israel. Vous savez, au travers de Jérusalem, Dieu contenait la folie des nations. You know, in a way, through Jerusalem, God was actually containing the madness of the nations. Au travers de sa gloire qui était dans le temple, les nations, la folie des nations était contenue.
through his glory that was in the temple, the madness of the nations was kind of contained. Et à cause du péché and des because Juifs, of sin, because of the sin of the Dieu Jews, retire sa gloire. God took his glory away. Et quand la gloire de Dieu quitte quelque part, and when the glory of God leaves some lorsque place, Dieu quitte une nation, when God un homme, leaves a nation or a man, la maison ne reste pas vide. The nation does not remain empty. Les démons viennent prendre place. Demons come and take place. Alléluia. Alléluia. Et les divinités païennes ont pris place à Jérusalem. And the pagan deities, they took place Baal, in Jerusalem. Baal, Astarte, Ashtoreth, n'est-ce pas, Zeus, Zeus, Hermès, Shiva, n'est-ce pas, toutes ces divinités, tous ces démons ont pris place. And all those demons, they et took place. Dieu a livré ces nations. And God surrendered these nations. Et c'est exactement ce que nous voyons and actuellement. That's exactly what we see today. Il y a plus, et Dieu a livré les nations à leur folie. The Lord surrendered the nations to their own madness. Voilà, voyez les guerres que nous connaissons aujourd'hui. You see all these, you know, civil wars that are taking place today. Toutes les 10 minutes, il y a une personne qui meurt. Every 10 minutes, there's somebody who is shot dead. Toutes les 10 secondes, il y a un enfant qui meurt de famine dans le everybody, monde. Everybody, I mean, every 10 seconds, there a child that dies starving. Regardez la confusion dans laquelle nous sommes. Look at the confusion going on. Vous pensez que les hommes politiques peuvent nous apporter la solution? Do you think that the politicians can bring us a solution? Aucun no, they can't. Dans le pouvoir que les yeux s'ouvrent. Your eyes need to be opened up. Les nations sont livrées à la folie. The nations are surrendered to madness. Royaume contre royaume. Kingdoms against kingdoms. Peuple contre peuple. People against people. Pasteur contre pasteur. Pastor against pastor. Église contre église. Church against church. Religion contre religion. Religion against religion. Vous avez vu la guerre de religion aujourd'hui? Did you see the, you know, this battle, this war of religion? Tout le monde veut conquérir tout le monde. Everybody wants to conquer everybody. On nous impose, on veut imposer un Dieu aux gens. We want to impose a God to people. Une manière de penser, de voir les choses. A way of thinking, a way of considering things. La confusion règne. Confusion reigns today. Vous avez vu le nombre de femmes qui pratiquent, qui tuent leurs propres enfants? Did you see how many women voilà have abortions today? Confusion. This is the generation in which we are today. It's vous all avez about vu ces hommes qui violent leurs filles? These men who rape their own daughters. Dieu a livré les hommes à leur propre folie. The Lord surrendered men to madness. Vous avez vu toute cette délinquance dans les cités ici et là? Did you see all this delinquency going on in the ghettos? Vous avez vu toute cette jeunesse qui prend la drogue ici all et là? This youth that's on drugs. Voilà notre monde. That's the generation in which we are. Alléluia. La confusion règne. Confusion reigns. Alors beaucoup disent. So many say. Quand on leur présente Christ. When we introduce Christ si to them. Si Dieu existe. If God exists. Pourquoi laisse-t-il toutes ces choses? Why does he let all these things pourquoi happen? Pourquoi tolère-t-il cette barbarie? What does the Lord tolerate those barbaric acts? Des jeunes qui sont violés. Youth that are raped. Des populations entières qui sont décimées. Population that are wiped out. Vous avez vu la guerre en Syrie? Did you see this war vous in Syria? Vous pensez que les hommes politiques de ce monde ne peuvent pas mettre fin à cela? Do you really think that the politicians of this world cannot, you know, bring this stuff to an end? Vous avez vu le conflit entre l'Ukraine et la Russie? This conflict between Russia and Ukraine. Vous avez vu le problème, les problèmes de, n'est-ce pas, drogue en Did Colombie? You see those drugs problem back in Colombia? Voilà notre monde, frères et sœurs. That's our world. Vous avez vu tous ces pirates, vous avez vu tous ces pédophiles sur le net qui vont donner des rendez-vous aux jeunes filles, did you aux see enfants? All those pedophiles giving appointments to young people on internet? Vous avez vu tous ces hommes et ces femmes qui sont prêts à se sacrifier pour un bout de papier qu'on appelle l'argent? Did you see how many people are today able to sacrifice themselves for a little piece of paper that we call l'homme money? L'homme est esclave de sa propre invention. Man is slave to his own creation. Ils se fabriquent du papier. They create paper. Avec les arbres. With trees. Et avec de l'encre. And with ink. Il va, n'est-ce pas, donner naissance à un billet. They will give birth to a bill. N'est-ce pas, il va signer. He will sign. Il va donner de la valeur à ce bout de papier. And he will give worth to this little et l'homme piece est prêt paper. À vendre son âme pour ce bout de papier. And man is ready to sell his own soul for this voilà little piece of paper. Monde. That's our world. Voilà notre génération. That's our generation, people. Vous avez vu toutes ces personnes qui vendent leur corps pour ce bout de papier? Did you see all those people who sell their bodies for this little piece of paper? L'homme va se fabriquer des cigarettes. Men create cigarettes. Il va se tuer avec. And kill themselves with it. Et pour arrêter pour mettre fin à cette tuerie. And go ahead. Keep il on. Va, n'est-ce pas, inscrire sur ce carton, ce paquet de cigarettes, il va mettre, n'est-ce pas, fume-tu. And in order to stop smoking, they're going to display a little piece of paper mais on the pack. Mais il ne peut pas s'empêcher de fumer. Smoking kills, but he can't help himself not smoking. Voilà notre génération. That's our generation. Et ceux qui veulent
échapper à cette génération vont dans les assemblées pour trouver un refuge. And those who want to flee from this generation, they go into assemblies in order to find refuge. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils trouvent? And when they get there, what do des they voleurs, find? Steals, des charlatans, coin men, des gens qui leur proposent la guérison moyennant 10 euros, 100 euros, 1000 euros. People who propose them healing again versus money. Vous avez toutes ces affiches de gourous, de voleurs ici et là qui se présentent comme des guérisseurs, des sauveurs. Did you see all those posters of people who pose as healers, you know, those who bring solutions? Voilà notre génération. That's our generation, brothers. Voilà ces jeunes qui vont en pèlerinage au Vatican. Il y en a un sur qui la croix, n'est-ce pas, une croix va tomber dessus, il va décéder. Vous pensez que c'est ça Dieu? All these youth, you know, who go in pilgrimage. For example, this young man who died in Rome because as he was praying, voilà la confusion. The cross detached and fell onto his head. Vous avez vu à Lourdes comment le sanctuaire de Marie était inondé par de la boue? Did you see in Lourdes this pilgrim place? How you know this place voilà was flooded? Confusion. This place was flooded ça out by water. Tout ça, c'est de la boue. All that is just to show you that it's mud. Vous avez vu notre monde? Side of God. Livré à la folie. Did you see this world? Surrender to madness. Voilà ce monsieur qui va avoir son diplôme. This man will have a diploma. A diploma. Il va avoir bac plus 5. He's going to be highly graduated. Il va se glorifier de ce bout de papier. And he will glorify himself with il va sortir dehors, un véhicule va le rentrer dedans, il va mourir. He will come out and be run over by et a vehicle on va l'enterrer tout en gardant son diplôme pour montrer aux gens qu'il avait quand même beaucoup étudié. And he will be buried, but people will keep his paper just to show people that he was graduated. Everything is meaningless. That's the world in which we are. Voilà la confusion dans laquelle les hommes sont. That's the confusion in which people are. Ils vont élire un homme politique. They go and elect a politician. En qui ils vont mettre tout leur espoir. In whom they will put all their hope. Pour qu'ils laissent tous du chômage. In order to qu'ils leur trouvent tout, papier, maison, travail, tout ce que vous voulez. For this politician to find them job, papers, everything. Et au bout de 6 mois, ils n'en veulent plus. And within 5 months, they don't want him. Au bout de 2 ans, ils veulent récupérer celui qu'ils avaient lapidé hier. Within 2 years, they want to take back the one that yesterday they stoned. Et on joue au ping-pong, pang, droite, pang, gauche, like pang, droite, pang, gauche, left and right. Vous voyez pas que c'est la confusion partout? Don't you see that it's confusion all the way? Alléluia. Alléluia. Voilà frère, notre monde. Here is the world, brothers. Et ce qui est grave, and the worst part of c'est it que des gens is that people parfois sensés sometimes those who are ne se rendent même pas compte. Those who make sense, those who have qu'ils sense, sont en train de se diriger vers un trou. They are not even aware that they were heading to a hole. Laisse-moi te dire. Let me tell you this. Même si tu ne le veux pas, entendre. Even though you don't want to hear tu mourras un jour. Someday you will die. On va t'enterrer un jour. You'll be buried someday. On va jeter une fleur, deux fleurs sur ta tombe. They will cast a flower to upon your casket. Par-dessus. And they will spread. On va te saper, c'est fini, c'est fini. And you will be on va te pleurer forgotten. Une semaine, deux semaines, un mois après, oublié. People will mourn 1 week, 2 weeks, and after you will be forgotten. Si c'est ta femme qui est décédée, if it's your wife who, then tu vas trouver une autre femme après. Then you will find another wife. Si c'est toi l'homme qui meurt, if it is you man who dies, ta chérie va te remplacer par un autre. Your lover will replace you with another one. Beaucoup plus beau que toi. More beautiful than you. Alléluia. Alléluia. Voilà notre monde. That's our world. Jusqu'à quel point ta chérie t'aime-t-elle? How much does your lover love you? Oh, Dieu sauve-nous. Father God, save us. Tu as rendez-vous. You have an appointment. Avec trois choses. With three things. Trois choses. With three things you have an appointment with. Tu as rendez-vous avec deux choses et avec un être glorieux. You have an appointment with two things and with a glorious being. Le premier rendez-vous c'est avec la mort. The first appointment is with death. Elle va t'attraper que tu le veuilles ou pas. Someday it will catch you whether you like it or not. Le deuxième rendez-vous. The second appointment. C'est avec les vers de terre. With the maggots. Qui vont te becter. They will eat you. Ils vont faire de ton corps un grand festin. They will make a feast out of your des body. Beaux yeux bleus là. Your beautiful des blue yeux verts eyes. Que tu aimes tant. The beautiful green eyes that des you love. Des oreilles que tu caresses tant. These ears that you des cheveux so much. Que tu embellis à chaque this fois. This hair that you beautify all the time. Des ongles là que tu aimes toujours maquiller. Your nails that you always make up. Mm-hmm. Alléluia. Alléluia. D'où ça sort, on ne le sait pas. Where it's coming from, we don't know.
Ça sort de la terre en tout cas. It comes from earth, anyways. Le troisième rendez-vous. And the third appointment. C'est avec ton créateur. Is with your creator, your maker. Tu ne peux pas te soustraire à ces trois rendez-vous. You cannot depart from these three things. Va te réfugier auprès de ton médecin. Go and find refuge to your doctor. Il te dira, moi aussi je suis concerné. He will tell you, I am myself involved. Alors, and then, consequently, Dieu, God, dit, says, qu'il a arrêté un jour, that he has appointed a time, où il va mettre fin à la zizanie, when he will bring those, you know, the confusion to an end. Dieu a arrêté un jour. The Lord has appointed a day. Il est dit dans Genèse 1. It is said in Genesis 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heaven and the earth. La terre était en forme et vide. The earth was empty and il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. And there was darkness over the abyss. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Holy Spirit was hovering over the waters. Hallelujah. Et Dieu dit. And God said. Que la lumière apparaisse. Let the light be. Et la lumière apparut. And the light was. Dieu vit que la lumière était bonne. God saw that the light was good. Et il sépara la lumière avec les ténèbres. And he separated the light from the il darkness. Il appela la lumière jour. He called the light day. Et il appela les ténèbres nuit. And he called the darkness night. Ainsi, il eut un jour et il eut un matin. Therefore, there was a night and Alleluia. There was a day. There was a morning. Ce fut jour 1. It was day 1. Voilà le jour du Seigneur. That's the day of the Lord. Le jour où Dieu va intervenir. The day when the Lord is going to intervene. Ouvertement dans les affaires des ténèbres. Openly in darkness businesses. Dieu dès la Genèse 1 a arrêté un jour. God from Genesis 1 has appointed a time. Et ce jour-là est appelé lumière. And this time is called le jour du Seigneur. The day of the Lord. Et le jour où Dieu va amener la lumière. Is the day when God is going to bring light onto the darkness. Il va amener la lumière dans les ténèbres. He will bring light into the darkness of men. Tous les satanistes seront convoqués devant le trône de gloire. When the dark, the les magiciens, les rosicruciens, les maïcariens, les écacaristes, tout ce monde. Everybody will be les sorciers, les faux pasteurs, the false pastors, the toutes sorcerers, les œuvres secrètes des hommes, all the secrets these seront of men exposés devant le Seigneur ce jour-là. Before the Lord this very day. Le jour du Seigneur. The day of the Lord. Et ce jour est terrible. And this day is terrible. Oui. Yes, it is. Pour l'instant, for now, c'est les ténèbres qui règnent. Darkness reign. Les ténèbres. Darkness. Soyez toujours amis de vos pasteurs voleurs. Keep befriending your stealers. Soyez toujours amis de ce charlatan frère. Vous aurez les comptes à rendre au Seigneur. La parole est claire. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. You will soyez toujours amis du péché. Keep il y a des comptes à rendre au Seigneur. Because you know there are things, there are accounts that you will give to Jesus, to God. Joshua a dit, moi et ma maison nous servons le Seigneur. Joshua said, I and my household serve the Lord. Quand il est sorti de Sodome avec sa famille. Et que sa femme s'est arrêtée, Lot a continué sa marche. Lot, back in the time of Sodom and Gomorrah, when we fled from Sodom and Gomorrah, when his wife turned around, he kept going. Le jour du Seigneur, the day of the Lord, c'est un jour terrible. It's a very terrible day. Alléluia. Alléluia. Dieu va intervenir. God will intervene. Dieu va arrêter la zizanie. God is going to stop the Dieu confusion. Dieu va arrêter la folie humaine. God is going to stop the human madness. Frère, ce jour arrive. This day is coming. On le sent. We feel it. On le pressent. We feel it. On voit les signes. We see the signs. On voit les nations en ébullition. We see the nations. On voit l'église de Laodicée qui prend de l'ampleur. We see the church of Laodicea. Tous ces signes nous annoncent que Yeshua est en train de se préparer, frère. Jesus Christ is on the il way back. Revient notre maître, frères et sœurs. Brothers and sisters. Sophonie chapitre 1. Zephaniah chapter 1. Verset 7. The verse 7. Silence devant Adonai. Be silent before the sovereign Lord. Yahweh. Silence devant le Seigneur Yahweh. Be silent before the sovereign Lord. Silence. Be silent. Devant Dieu, personne ne parle. In front of God, nobody speaks. Ce jour-là, this day, quand il va revenir, when he comes back, personne ne va parler. Nobody will speak. C'est pour cela quand Dieu entre dans son costume de juge, personne ne parle. That's why when the Lord comes out as a judge, nobody speaks. Silence. Be silent. Nous sommes dans un tribunal ici. We are at court. Car le jour de Yahweh est proche. For the day of the Lord is near. Car Yahweh a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés.
The Lord has prepared a sacrifice. He has consecrated those he has invited. Il y a des gens qui sont conviés, d'autres non. There are people who were invited and some others were not. Les conviés sont les invités des noces. Those who were invited or those ils were sont invités aux noces de l'agneau. Those who were consecrated or those who were invited to the ici, wedding of the lamb. C'est l'épouse. Those who were consecrated is the spouse. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, juste pendant l'enseignement, mettre de côté vos chewing-gums, s'il vous plaît. Imaginez, vous êtes devant le président de la République française, notre président, et vous avez ce chewing-gum dans la bouche. Le Seigneur est au milieu de nous. On ne doit pas tout le temps vous rappeler qu'il est, n'est-ce pas, irrespectueux de mâchouiller des chewing-gum dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas correct. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a-t-il convié? Did the Lord invite you? Oui, tout le monde est convié. Yes, everybody is invited. Mais les élus, ce sont ceux et celles qui acceptent l'invitation. But the elect are only those who accept the invitation. Tout le monde l'accepte pas. Because everybody do not accept it. Vous savez pourquoi? Do you know why? Les gens sont occupés à autre chose. Because people are busy doing something else. Ils sont occupés plus au ministère. People are busy qu'à la relation avec Dieu. People are more busy with the ministry than with the relation with God. Occupés à se faire de l'argent matin, midi, soir. Busy to make money morning, afternoon and evening. Je vois des gens qui travaillent qui ont 2, 3, 4 emplois. I see people who have like 2, 3, 4 jobs. Mais tout ça pourquoi? But why are you doing all that? Parce qu'ils ont beaucoup de crédits. Because they have a lot of credits. À rembourser. To reimburse. Parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Because they live above their resources. Et ils n'ont pas le temps pour Dieu. And they don't have time for God. Où sont les conviés? Where are they invited? Est-ce que tu crois que tu es venu sur terre pour passer ton temps comme ça inutilement? Do you think that you came on earth to spend your time like that uselessly? Le jour où tu vas fermer les yeux, comment ça va se passer? The time when you die, what will happen next? Tu vas lui dire quoi? What will you tell him? Je t'ai convié. You were invited. Et tu as refusé mon invitation. And you refused my invitation. Les Juifs étaient conviés. The Jews, they were invited. Ils ont dit aux serviteurs qui avaient été envoyés. They told the servants that was sent to non, them. Non, moi j'ai mon trafic. No, I have my business. Non, moi je viens de me marier. I just got married. Comme à l'époque de Noé. Just back in the time of Noah. Les hommes se mariaient, mariaient leurs enfants. Marrying their children. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Until the time Noah entered the ark. Tout est vanité. Everything is meaningless. Tu cours après quoi? What are you running after? Une bonne BM, une bonne Mercedes. Car, a hot ride. Après. After. What une comes femme next? Et après. A woman, what comes un next? Homme et a après. Man, what comes next? Alléluia. Alléluia. Il a choisi ses conviés. He has consecrated those who have invited. Let me just tell la you Bible that. Dit, the Bible says. Ce ne sont pas les conviés qui se sont choisis eux-mêmes. It is not those who were invited who invited c'est themselves. C'est Dieu qui les a choisis. The Bible says that God invited them. Ceux qui vont participer aux noces. Those who will take part. Ce sont des personnes dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau. Dès la fondation du monde. Those who were invited to the wedding of the Lamb, or those whose name were chosen from the beginning of the world. Alléluia. From the foundation of the world. Ce n'est pas toi qui va décider. It is not you who will decide. Oui, Dieu te t'appelle, il faut accepter, God bien calls sûr. You. You will, mais c'est you d'abord invited. Lui qui a décidé. But first of all, he is the one who decided. Alléluia. Alléluia. Et la parole dit. And the Bible says. Au jour du sacrifice de Yahweh. On the day, je châtierai les princes et les fils du roi. On the day of the Lord's sacrifice, I will punish the princes et and the king's sons. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. And all those who, and all those clad in foreign clothes. Dieu va juger les hommes politiques. The Lord is going to judge the politicians. Dieu va juger les rois. The Lord is going to judge kings. Dieu va juger les dirigeants, the Lord les gouverneurs. Is going to
judge the governors and Frère, the leaders. Ça va être terrible. This day will be terrible. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. And all those whose clothes are clad. What does it mean? Le péché. Sin. Tous ceux qui, n'est-ce pas, sont justes à leurs propres yeux. All those who consider themselves as righteous. Dieu va juger. God will judge. Ah non, mais je suis encore jeune. I'm still young. J'ai encore le temps. I still have time. Je peux encore me permettre de vivre ma vie un peu. I still can, you know, live my life a bit. Alléluia. Dieu est contre l'idolâtrie, mais God toi tu es idolâtre. Idolatry, but you are tu ne peux pas te passer d'un pasteur. You cannot do without your pastor. Il y a un problème. There is a problem here. Dans nos cœurs, dans nos églises. In our hearts and in our churches. Par rapport à l'idolâtrie. Regarding idolatry. Ah, oh, pasteur, j'ai fait un songe. Pastor had a dream. Mais quel où est le rapport what entre ce pasteur the relation songe? Between the pastor and your dream? Au lieu d'aller voir Dieu, instead of going et to on God, veut des gourous. We want gurus. On veut des gourous. We want gurus. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi? Do you know why? Ben, à l'époque, dans le monde, chacun avait son marabout. It's because son voyant, back in the day, son ganga, everybody son kimboise. For fortune teller, he's on sorcerer. Everybody had that. Et quand on arrive le Seigneur, and when we go to Christ, on transforme les pasteurs à des gourous voyants, magiciens. On veut ça. When we convert, we make those pastors over sorcerers ceux and fortune tellers. Ceux qui sont de Dieu, mind readers, all n'ont those pas d'autre Dieu God, que Dieu tout puissant. Have no other God than Alléluia. The glorious God. Hallelujah. Oh non, mon pasteur, c'est le frère Chora. Je ne suis pas ton pasteur, my pastor is the brother. Tu n'as pas compris, Chora, je ne suis pas ton pasteur. Haven't you understood moi-même, that I'm je not suis une brebis. I myself is a sheep. Une brebis qui a un berger. Toi, tu veux que je sois ton berger? I am myself a sheep. Ah non, 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 non. A shepherd. You want me ce to jour-là, be a shepherd? Je le dirai, Seigneur, c'est enregistré. J'avais dit non. I will say that it has been recorded. I had said no. Alléluia. Alléluia. Non. No. Le Seigneur m'est apparu il y a quelques jours. The Lord appeared to me il a couple days ago. Il veut te transformer en Simon Kimbangu. They want to transform you in Simon Kimbangu. J'ai dit Seigneur, tu peux pas m'enlever à cause de. I said Lord, you cannot take me away because tu of them. Tu sais que je n'aime pas ça. Because you know that I don't like it. Il m'a dit je sais que tu n'aimes pas ça. He said he told c'est me that I know that garde you don't en like vie. It. And that's why he keeps me alive. Et c'est pour ça que je ne peux pas me and retirer. That's why je dois crier encore. Take myself away. Alléluia. I need to speak out even more. Dieu m'a dit faut crier. God told me you need to speak out. Je veux me retirer pour faire quoi? What am I going to take myself away for? Il m'a dit fais la Bible. He told me revise the Bible. Je veux me retirer pour faire what quoi? What am I going to take myself away for? Et le Seigneur m'a dit. And the Lord said. C'est bon. It's all right. On a besoin. Écoutez même vous qui priez dans les maisons, even là, vous avez aussi votre petit gourou. You also have your little guru. Quand il est pas là, vous n'êtes pas tranquille. Vous when voyez pas que ça va not pas? Here, you are agitated. Don't you see that something is wrong? Oh non, nous on n'est pas dans Babylone. Oh, you're not mais in vous pensez Babylon. Babylone c'est quoi? What do you think Babylon c'est is? Des briques? Bricks? Babylone c'est d'abord dans l'homme. Babylon is first of all in men. On veut chosifier les prédicateurs. Chosifier. Transformer en choses quoi. We want to make the preachers in things. We want to Alléluia! Make them over in things. Dis à ton voisin, tell Jésus neighbor, revient. Jesus Christ comes back. David était roi. Qui le croit? David was a king. Who believes it? Alléluia. Alléluia. Qui croit que David était aussi berger? Who believes that David was also a shepherd? Et il a dit quoi, David? And what did David say? Yahweh est mon berger. The Lord berger. Is my shepherd. Le Seigneur a dit quoi? Il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est écrit ou pas? The Lord said there will be a one shepherd. Alors, and pourquoi one vous dites herd. Que moi je suis votre pasteur? So then why are you coming to me talking about I'm your shepherd? C'est pour ça à la fin de l'année on arrête les programmes. That's ici. Why by the end of this year we will stop pour those programs. Pour passer à autre chose. To deal with something else. Ah oui frère, chacun yes, doit brothers. Se battre pour son salut. Everybody has to fight for his own salvation. Quand on m'appelle berger, je when m'arrête. When people pas. Call me shepherd, quand on m'appelle I keep walking. Brebis, je m'arrête. When people call me out, mais brebis entendent ma voix, je l'ai dit. I stop. Alléluia. Because the Lord voilà. Said, my sheep, they recognize revenons my voice. Revenons à la parole. Let's return to the word. Il y a pas un seul verset. There is none. There is not even Paul one verse. Paul a dit qu'il était le berger des autres. In which Paul said that he was the shepherd of other people.
Ah non, nous on prie avec le frère Shora. Non, frère. We pray for, with the brother Shora. No, il faut brothers. Qu'on arrête tout ça. Là. On we prie comment? Stop that. Moi, je crie ici. Après, je me what cache. Do we pray? I speak out here and then I moi, hide. Je prie avec Jésus. I pray with Jesus. Nous partageons avec les frères et sœurs. Brothers and sisters. But it's that's it. J'ai ouvert une parenthèse. Laissez-moi parler. I just opened up a bracket. Let me just speak here. Parce qu'il faut que je me sauve aussi. Because I need to save myself too. Ah ouais. Hallelujah. Le Seigneur voulait me prendre tout de suite. The Lord wanted to take me away. I was like, no, la mission n'est pas finie. My mission is not over yet. Un frère priait, Seigneur, garde-le. Le frère lui a dit, il négocie avec moi. Il n'était pas au courant de cette vision. Heureusement, j'ai négocié que le Seigneur est grâce et amour. Simo Kimbangu était un prophète au congolais, un grand prophète. Simo Kimbangu was a great prophet in ils Africa. Ils ont transformé Dieu. And they transformed him. Ils ont dit c'est le Dieu des Noirs. And they said that he was the God of the black people. Voilà. Ils ont transformé son village en Jérusalem. They transformed his village in Jerusalem. C'est terrible, hein? It's really terrible. Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin, cet homme est une brebis. Tell your neighbor, this man is a sheep. Une brebis comme toi. A sheep just like you. Amen. Alléluia. Ok. Ouais. Oh Dieu. Dieu va châtier. God punish. Dieu va juger. God will punish. Frère, quand un homme te châtie, when a man punishes ça va. You. Mais quand c'est Dieu qui te it's châtie, right. When a man punishes you, it's alright. But when it's God who judges you and punishes tu you, tu vas plaider auprès de qui? To whom are you going to go and plead? Ah non. Mais si Dieu commence à t'entamer, if God starts you off, les médecins vont te rejeter. The doctors will reject you. Ils vont te dire cette maladie nous ne l'avons jamais vue. They will tell you that this disease we never saw it before. On te fait une piqûre à la joue droite, c'est la joue gauche qui tombe malade. They give you an injection on the right cheek and it's now the on left cheek on te fait that une piqûre à la joue gauche, c'est l'œil droit qui tombe malade. They make you an injection on the left cheek leur and now it's your eyes that aussi. Hurts you. Même les médecins qui sont au chômage, ils finiront par vous dire non, non, on préfère rester au chômage. Even the doctors, que de traiter ce cas incroyable. Even the doctors are unemployed. Un pasteur. One pastor était dans l'adultère. Was in adultery. Dieu l'a averti, il n'a pas voulu se repentir. God warned it. He didn't want to, he didn't Dieu want a envoyé to des prophètes pour the lui parler. To prophet to talk il n'a pas to voulu him. Sortir he de l'adultère. Didn't want to come out of adultery. Dieu l'a frappé. The Lord struck him. Il n'était pas encore mort. He wasn't even dead. Que des asticots sortaient de son corps. That maggots was coming out of his body. Et on appuyait comme ça, ça sortait. Tiens. And when we were like, you know, pressing, the maggots were coming out even more. Dieu, Dieu n'est pas ton copain, il n'est pas God mon. God is not your friend, and he's not ah mine either. Je préfère avoir des problèmes avec tout le monde. Mais pas avec Dieu. I'd rather have problems with everybody but je having problems que tu with m'abandonnes, God. Que tu me quittes, I'd rather have you forsake me than mais having je God ferai ce me. Que Dieu m'a dit dans but les I will do what the Lord told me to do behind the scenes. Dieu va châtier. God will judge. Quand Dieu châtie quelqu'un, when God punishes somebody, il met comme un interdit sur lui. He puts something like un interdit, je sais pas ce que c'est. En fait, tu deviens un objet de malédiction. All right. Like it's like the Lord considers you as something that is banned. Pareil comme Caïn. Just like Cain. Dieu l'a jugé. God judged him. Et Caïn était partout. And Cain was everywhere. Partout et nulle part. He was in the same time et all Dieu over a mis un signe sur lui. And nowhere. And the Lord has put a sign upon him. J'ai vu des gens que Dieu jugeait. I saw people that the Lord il a judged. Commencé d'abord par frapper leurs enfants. He started to strike their children. Frère, c'est terrible, hein? It's really terrible croyez-moi, what I'm dealing with today. Il est juge. It's really terrible what I'm talking about now. Il he est is a judge. Le jour du Seigneur, the day of the Lord, il va juger, il va châtier. On the day of the Lord, he will judge and he will punish. Cela veut dire que toutes les actions que nous posons it means that whatever deeds that we do auront leur rétribution. We'll have the retribution. We will receive the reward and retribution alléluia. Of our deeds. Et il va châtier les gouvernements. And he will punish the governors and the il va convoquer chaque gouvernement. He will
He will call each tous les meurtres qu'ils ont commis. All murders that they've committed. Toutes ces âmes qu'ils ont détruites. All these souls that they have destroyed. Frère, ça va être terrible. Brothers, it will be terrible. On va avoir pitié d'eux. And we will have pity on them. En ce jour-là, on this day, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. On that day, I will punish all who avoid stepping on the threshold. Ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Who fill the temple of their gods with violence and deceit. En ce jour-là, on that day, dit Yahweh, declares the Lord, il y aura des cris à la porte des poissons. A cry will go up from the fish gates, dans l'autre quartier de la ville. Wailing from the new quarters. Et un grand désastre sur les collines. And a loud crash from the hills. Dieu parle d'abord de du jugement de Jérusalem. First of all, God speaks right here about the judgment of Jerusalem. Jérusalem avait au moins 10 portes. Jerusalem had almost like about 10 gates. Et l'une d'elles c'est la porte des poissons. And one of them is called the fish gate. Et Dieu va juger. And the Lord will judge. D'abord Israël. First of all Israel. Et il juge Israël. And he judges Israel. Ça veut dire quand Dieu juge une nation. You know whenever God judges nations, you know what's going on? C'est la folie augmente encore. The madness goes up even more. Voilà. On la réveille. Merci. Ici c'est la parole d'abord. Alléluia. Quand Dieu juge une nation, whenever the Lord judges ou quand Dieu nation, juge un homme, or whenever the Lord judges a man, il s'enfonce encore dans le mal. This man goes even deeper in evil. C'est ça le jugement. That's what judgment is all about. Le jugement de Dieu libère des démons. Seigneur, s'il te plaît, ne réponds pas dans la présence du Seigneur, s'il te plaît. Il ne faut pas répondre dans la présence du Seigneur. C'est pas correct. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Ça, c'est irrespectueux. Ce n'est pas correct. Nous parlons du jugement du Seigneur. We're talking about the judgment of God. Et je vois des chewing-gums, des portables. Honnêtement, I see guns, vous voulez que Dieu vous bénisse comment? How do you want God to bless you? Vous pouvez vous lever comme ça devant le président Sarkozy ou Hollande et répondre au téléphone pendant que vous parlez. Stand vous, mes up amis. Just in front of the president and j'ai mal and pick up your phone. On ne veut pas condamner qui que ce soit. We don't condemn anybody. Mais honnêtement, but honestly, j'ai hâte qu'on arrive à la fin de l'année pour que je passe à autre chose. I can't wait the end of the year for me to, you know, deal c'est with something pas seulement else. Pas la sœur. It's not only beaucoup n'aiment pas Dieu. You know about the sister because beaucoup ne veulent pas many people Dieu. Don't love God. Many refuse to have God. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que nos églises nous préparent, vous préparent à l'enfer. It's because the churches on ne vous dit plus la vérité clairement. For hell, because the truth is not clearly said. J'ai reçu des jeunes, je leur ai dit vous êtes aussi tombés dans l'orgueil spirituel. I received youth and c'est I told them de, you also fell into spiritual pride. Nous sommes dans un temps de confusion. We are in a time of confusion. For real. J'ai compris une chose. And there's this one thing that I've je understood. Dois me sauver mes enfants, ma I famille. I have to save myself, my children and d'abord, my wife first of all. Parce que c'est temps là. Because this time in which we are, on ne veut plus de Dieu. We don't want God anymore. Je disais hier aux Belges. I was telling to the Belgians yesterday. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous ne le connaissez pas. You cannot fear God if you don't know him. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous ne le connaissez you pas. You cannot love him if you don't on him. Peut vous prêcher sur la crainte de Dieu. You can be preached on si the vous ne l'avez God, jamais rencontré, if you've never met him, vous ne le craindrez pas. You will never fear him. Parce que quand on est dans cette présence du Seigneur et l'enseignement est donné, c'est Dieu qui parle. Because when we are in this presence of God and the teaching is given, it's actually God who speaks. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont encore possédés. And that's why many Christians are still possessed at that time. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. It's because they don't love God. C'est pour cela que vous payez ces charlatans cher pour avoir la guérison. You give money to these charlatans in order to have deliverance and healing. Hier, Dieu me disait. Yesterday, God told me. Il y a une femme qui a une relation adultérine téléphonique avec un homme marié. Okay. There's a woman who is sex phoning with a married man. Et à la fin, elle est venue me voir. And at the end, she came to me. Elle me dit, j'ai une relation avec deux hommes mariés. And she told me that she had sexual intercourse with two married men. Téléphonique. Sex phoning. Vous voyez comment ce sont des gens qui fréquentent les assemblées. And you see, these are people that come in our assemblies. Cette génération, this generation, Dieu va la juger. God is going to judge cette génération, this generation, Dieu la juge déjà. God has already judged it. C'est pour ça que tous ces problèmes that's que nous connaissons aujourd'hui.
problems are going on. It's because it's confusion. Vous avez vu quand Dieu a jugé Ninive? Did you see when God judged? Les gens ne savaient pas faire la distinction entre leur main, leur bras droit et leur bras gauche. People couldn't distinguish. People couldn't distinguish their left from their right. Femme avec femme. Confusion. C'est au fini. C'est la confusion. La confusion. Confusion going on. Où sont les prophètes qui sont parlés? Where are the prophets? C'est la confusion aujourd'hui, frères et sœurs. It is confusion today, brothers. Où sont les prophètes qui peuvent amener les frères et sœurs à la sanctification, à la crainte de Dieu, qui peuvent démontrer aux hommes que Dieu existe? Où sont ces élus? Où sont ces hommes et ces femmes? Where are these men and women of God? Confusion. It's confusion today. Les hommes ont plus de les hommes ont démissionné et c'est les femmes qui les dirigent maintenant. C'est la confusion. Men now resigned and now it's the woman who took over. It's confusion. C'est une génération confuse. It's a very confused generation. Et ça engendre de la confusion. And it brings confusion. Car on ne donne que ce que l'on a. Because we can only give what we have. Quel avenir pour nos enfants? What is the future for our children? Dans ce monde des prédateurs. People are like predators. Oh Dieu. Verset 12. On the verse 12. En ce temps-là, at that time, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. I will search Jerusalem with lamps. Et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit. And punish those who are complacent. Et qui disent dans leur cœur, and who are like wine. Yahweh ne fait ni bien ni mal. Who are like wine left on its dregs. Bref, who think the Lord is do not, Dieu va prendre nothing. Des lampes. You see here, the Bible says that the Lord searched Jerusalem with lamps. I told you previously that the day of the Lord is the day the Lord brings light. In our darkness. Dans nos actions secrètes. In our secret deeds. Vous voyez, Dieu dit quoi? What does the Bible say? Il y a des hommes qui reposent sur leur lit. There are people, there will be like wine left on these dregs. Prenez une bouteille. People who are complacent. You take a bottle. Une bouteille de jus d'orange, orange juice bottle. Vous la gardez dans un endroit calme pendant des années ou des mois et des mois. You keep it somewhere, sans la secouer. Without shaking it. Il va y avoir un dépôt au fond. There will be a little deposit at the back. I mean at the bottom. There will be a deposit. Et personne, hein, si la bouteille est noire, complètement opaque, personne ne peut savoir qu'il y a la lie au fond. And if the bottle is not see-through, nobody will be able to see this deposit at the back. At the bottom. Ce dépôt, cette saleté. This you know, dirt. Caché. Is hidden. His dirt is hidden at the bottom. Et Dieu dit, and God says, je prendrai des lampes. I will take lamps. Et je veux venir fouiller. And I will search. Et Dieu, on est comparé comme une bouteille. And we are compared with bottles. On n'a pas été bien secoué. We haven't been shaken well. Pour que le péché monte. For our sin to et come up. On cache des choses. And we are hiding things dans at the bottom. Dans les couples, des secrets in cachés. Couples, you know, secret, les hommes secret ont trompé leurs femmes, les maris ont men, trompé leurs wives. Pas, les femmes wives ont trompé leurs maris. On their husbands, et tout le monde cache and ça. Everybody's hiding that. Voyez, at the bottom. Des filles qui ont été violées ou qui ont eu des rapports avec des rapports incestueux et ça cache ça. Daughters who were raped who had like been in sexual intercourse with family members. Voyez, il y a un dépôt qui est là caché. There's a deposit that's right there at the bottom. Voyez, and it's hidden. La sorcellerie qui est là caché. Witchcraft that's right here and it's hidden. Vous avez vu? Les meurtres, les avortements. Murders, abortions. Cachés. Hidden. Tu penses pas que Dieu sait que tu as avorté? Don't you see? Don't you know that God tu knows ne penses that pas you que had tu an abortion? Que tu as tué? Don't you know that God saw you when c'est you caché. Murdered? But it's hidden. It's tu concealed. Tu ne penses pas que Dieu voit quand tu vas dans les sites sur les sites pornographiques? Don't you see what? Dans don't les sites pornographiques? Know, don't you know what God sees you when Dieu whenever te you voit. Watch porns? But God sees you. Mais c'est comme s'il te laissait. But it's like it lets you go. Tu ne crois pas que quand tu vas critiquer là, Dieu te voit, Dieu t'entend. Don't you believe that when you murmur, God sees you? Dans les assemblées, vous avez vu tout ce qui est caché? In assemblies, did you see all that hidden? Quel est ton secret, mignon? What is your sin, the sin that you like? Caché. What is this concealed sin that you have? Et Dieu dit, and God says, il va châtier. He will punish ces hommes. Those who are complacent. Dieu dit, God says,
Et il va livrer leurs biens au pillage. Et leurs maisons seront dévastées. The Bible says their wealth will be plundered, their houses demolished. Regardez le verset 14. And on the verse 14. Le grand jour de Yahweh est proche. The great day of the Lord is near. Il est proche, il arrive en toute hâte. Near and coming quickly. Le jour de Yahweh fait entendre sa voix. Listen, the cry on the day of the Lord will be bitter. Et les héros poussent de cris amers. The shouting of the warrior there. Dieu fait entendre sa voix. The Lord makes his voice. C'est ce que la parole nous dit ici. Heard. And that's what the Bible says here. 1 Thessaloniciens 4 nous dit. And 1 Thessalonians 4 tells. Le Seigneur, n'est-ce pas, that the Lord has. Il va intervenir ce jour-là. Intervene on this day. À la voix d'un archange. With the voice of an archangel. Et au son de la trompette. And at the sound of the trumpet. Voyez, non? La voix de l'Éternel. The voice of the Lord. C'est un archange qui va sonner la trompette. It's an archangel will blow the trumpet. Et ils sont sept. And there are seven of them. Chacun d'eux a un chauffard. And each one of them has his own. Et le dernier trumpet. Chauffard, and the last trumpet, celui que nous attendons, the one that we're expecting, il va retentir bientôt, frère. It will soon blow. Dieu m'a enlevé il y a deux ans the au Lord ciel. Took me up 2 years j'ai ago vu ces heaven, and I saw these archangels. Je les ai vus s'apprêter. I saw them getting ready. Je les ai vus s'activer. And I saw them, you know, being. J'ai vu Michael, j'ai vu Gabriel. I saw Michael, Gabriel. Frère, ils sont prêts. Brothers, they are ready. Et un ange disait. And an angel was Jésus saying. Jésus revient. Jesus comes c'est back. C'est une réalité. It's a reality. C'était grave. It was crazy. Je me suis réveillé en prophétisant comme ça. And I woke up prophesying like that. C'est terrible ce qui va se passer. What will happen is just terrible. La voix de Yahweh. The voice of God, the voice of Yahweh. Vous avez vu quand il y a l'orage, quand il y a de foudre, did you see les éclairs, comment outside, les hommes se cachent? How people they are hiding? Vous avez vu quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï? Did you see when God descending et qu'il a parlé aux Hébreux? And when he spoke to the Hebrews, comment ils se sont cachés? How people hid? Vous avez vu quand Dieu a parlé à Adam, comment ils se cachaient? When God spoke to Adam, how les hid? Hommes vont se cacher quand Dieu the va parler. Same way people will hide whenever God will speak to them. Les gens vont se cacher. People will hide. Parce qu'on a trop joué avec Dieu. Because we played around too much with on God. A trop longtemps cru que Dieu était notre copain. We believed too much time that God was our on friend. Nous a présenté un Jésus bébé. We were introduced a baby Jesus. Un Jésus catholique. A Catholic Jesus. Qui est tellement gentil. Who is so nice. Mais ce jour-là, but on this day, ça va être terrible. It will be terrible. Ce jour est un jour de fureur. The Lord, 15. Right. That day will be a day of wrath. Donc vous avez vu, vous pouvez compter hein, un jour de fureur. So you can count down here. You can count. Un jour d'angoisse. A day of wrath. A day of deux, anguish. Un jour de destruction. A day of trois, distress. Un jour d'obscurité. A day of trouble. Quatre. Darkness, un jour de brouillard. A day of clouds. Cinq. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. The verse 16, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities. Les tours élevées, c'est quoi? The fortified cities. Les ziggurats. Babylon. Vous avez vu toutes ces tours là qui sont de plus en plus élevées? Towers of those cities. À Dubaï. In Dubai. Vous avez vu au Bangkok? In Bangkok. N'est-ce pas aux États-Unis? In the US. Vous avez vu ce gratte-ciel? Did you see those skylines? C'est l'orgueil de l'homme. It's the pride of man. Pour chercher à atteindre Dieu. To try to attain God. Pour prouver à Dieu. To show God. Qu'ils sont capables de se lever. That they are capable of ça, lifting themselves up. Ça c'est de l'orgueil du monde. It's what we call la hauteur de l'homme. The height of man. Dieu dit je veux juger ces tours. And God says I will judge these skylines. Dieu va renverser ces tours. The Lord is going Dieu va confondre l'ingéniosité humaine. The Lord is going to oh, ça va être terrible, frère. This intelligence of men. Les ziggurats. What we call those frères étaient des édifices. Those cities dédiés à l'idolâtrie. Those cities were dedicated to idolatry. Those fortified cities. Vous avez vu comment ça monte? Ça monte à chaque fois, ça pousse. You see how those ça monte, towers, l'orgueil. Ça monte. You see how pride. It's tout est dans la Bible. Everything is increasing. Les gratte-ciels de Chicago, tout est là. You see in the Bible those towers, those different skylines. Imaginez, everything mes amis, is in the Bible. Des tremblements de terre. Try to picture right here. Les immeubles vont s'écrouler. Earthquakes, all those skylines will collapse. It will be terrible. On nous dit que c'est un jour de fureur. We are told that it's a day of. Comment la fureur de Dieu se traduit-elle? It's a day of wrath. How can the day of wrath?
can be defined. Le déclenchement de mes amis des ouragans, it will be le tremblement de terre, by those hurricanes, comme la parole nous le dit, just like the Bible la says, terre va trembler, the earth will shake, les cieux vont s'ébranler, the earth will quake, parce que Dieu va rentrer dans sa colère, and the nation will be shattered, pour te juger toi, homme, pour te juger toi qui a refusé Dieu, the Lord is going to judge you because you refused God. Ça va être terrible ce jour-là. And this day will be terrible. Le Seigneur a dit, the Lord said, il y aura de l'angoisse there will terre. Be anguish on earth. Il y aura de l'angoisse partout. There will be anguish all over the place. Tu vas te cacher où? Where are you going to hide? Où te cacheras-tu? When are you going to auprès hide? De qui vas-tu te réfugier toi? To whom are you going to qui hide? Passe ta vie à l'alcool. You who share your life alcohol. Qui passe ta vie à fumer? You spend your time all the time auprès smoking. Auprès de qui vas-tu te réfugier? To whom are you going to find refuge? Vous allez voir comment les gens vont se cacher. You will see how people are going to hide. Ils vont trouver des grottes. They are going to find caves. Les grottes vont se, n'est-ce pas, les montagnes vont tomber sur eux. All those mountains are going to give in. Ça va être horrible. It will be terrible. Pour l'instant, for now, Dieu laisse les hommes God lets people grandir dans leur folie. Grow in their madness. On a l'impression qu'il n'agit plus. Feels like it feels like God does not move anymore. On a l'impression anymore. Que c'est comme s'il est devenu mou. It feels like God c'est has become like slow and stuff, but it's just an impression. Alors des pasteurs viennent et disent c'est le Dieu de grâce. Then pastors they come and they say that he is the God of grace. Il va tout pardonner bien he sûr. Will forgive everything, obviously. Tu tues les gens volontairement, you y a pas de problème. You kill people willingly, there's no alors que problem dit, out of that. As the Bible says, when the Bible says, celui qui pêche après avoir reçu la connaissance de la vérité, the one who sins after receiving this word of truth, pour lui, il y a plus de sacrifice. There is no other sacrifice fini. For him. It's over. Mais quand Noé parlait comme ça, les gens se moquaient. But when Noah was talking like that, people would mock him. Quand Lot parlait à ses gendres, when Lot was que speaking, tu allais juger Sodome et Gomorre, ils se moquaient de when, lui. When Lot was talking to his sons-in-law that Jesus that cette God was going to judge, cette génération, people were mocking him. Just cette génération, generation, elle te prépare pour l'enfer. Is preparing you for hell. Ton école te prépare pour l'enfer. Your school is preparing you for hell. Hier, yesterday, une jeune fille de 12 ans, a 12 years old, est venue devant confesser la pornographie. A 12 years old little girl, she came up front and she confessed. C'est à l'école qu'on lui demande avec ses élèves, d'autres élèves, de regarder des films pornographiques. And she said that back at school, they were told to go at home pendant le cours de la religion. Terrible cette génération. This generation is crazy and terrible. Et si les parents ne rattrapent pas les enfants à la maison? And if pour enseigner, and if fini. Parents do not supervise the children at home to teach them, c'est pour it's cela over. Un conseil. That's why one free ne advice. Courez plus après le ministère à gauche don't droite. Run after you know ministry. Prenez soin de vos right. enfants. Enseignez take vos care enfants. Of your children. Teach them. Je vous dis, hein, frère. I'm telling you. Que chacun s'occupe de sa famille. Let everybody. Moi, quand take je care finis, of his family. La fin de l'année, when I'm going to be done here by this end of this year. Et personne ne pourra dire and I will deal averti. With something else. And nobody will be able to say that he hasn't been worried. Fini. It's going to be over. Ministère ici, ministère là-bas, ministry tout ça là. Here, ministry famille. There. Moi et ma maison. I and my household. Parce que ce que les enfants reçoivent dans les écoles là. Because ce qu'on leur you, dit là. Le yoga. Because la méditation mentale. La relaxation. School, you don't know what they tell you. Hein? What they tell them. Relaxation, yoga. What they say about that. On fabrique les incrédules aujourd'hui. We make unbelievers today. Quand les gens arrivent au niveau du bac, ils sont déjà incrédules. When people they reach the A level diploma, sœur qui dort, they are already unbeliever. Voilà ma sœur, faut se réveiller. Je disais hier aux Belges, I was telling the Belgians, nous n'allons pas prier pour les gens qui dorment là. I was telling the Belgian yesterday, we will Amen. Not pray for those who sleep. Hallelujah. Parce que je vois des positions que vous prenez, forcément, vous allez partir. Alléluia. C'est normal, hein?
Je sais qu'il y a la chaleur, mais imaginez si moi aussi je me laisse emporter là. C'est fini après. Donc soyez debout. Dis à ton voisin, veille. Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est le salut hein, dont il est question. Now we're talking about salvation. Qui veut rater le jour du Seigneur? Who wants to miss the day of the Lord? Tu veux le rater, mon frère? Tu veux rester? Ah, tu veux pas subir, oui. Vous allez voir ce qui va se passer. You will see what will take place. Vous allez voir des hommes politiques que vous connaissez qui vont se cacher. That you know that will hide. Devant la colère de celui qui vient. Before the wrath of the one that is to come. Vous allez voir des bishops qui vont courir sans leur soutane. You will see bishops running without their cassocks. Vous allez voir les prélats catholiques qui vont abandonner leur soutane, ils vont quitter le Vatican, ils vont laisser les idoles de Marie, tout ça, les statues là, ils vont courir comme pas. Il y en a qui vont courir nus. You will see all those people in Vatican leaving their idols and leaving Mary. Vous allez voir les pasteurs, ils vont laisser leur costume pour mieux courir. Naked. Some pastor they will drop, they will leave. I mean their tuxedos. Vous allez voir, certains vont abandonner leur diplôme théologique. Some people they will abandon leur mallette pour mieux courir. Diploma, their suitcase in order to run. Et les chrétiens qui les ont suivis. And all those Christians who follow them. Ils vont s'arrêter comme ça en train de les regarder. They will be they will regardant, and watching. Ils vont se dire, be like, n'est-ce pas là mon autre pasteur qui court là? Isn't it my pastor running here? N'est-ce pas le pape là qui court isn't là par là? The pope running here? Alléluia. Alléluia. Continue à canoniser les gens. Keep canonizing people. Dieu va vous décanoniser. The Lord is going to decanonize you. Ce jour-là. On this day. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. God is good. C'est un autre portable, la technologie. Voilà. C'est ça qui nous tue aussi la technologie là. Technology, on est trop techno. High-tech products also kills us. Vous savez ce qui va se passer? You know what will take place also? Certains, some people, lors de l'enlèvement, when the rapture ils seront au téléphone. They will be on the phone. Pourquoi? Why? Ils ont le millennium. Because they have, you know, the feature that allows them to call freely. Vous savez le contrat de SFR là, à l'époque. Voilà. Hein? Ok, on peut l'aider pour répondre là-bas. Ouais. Ok, gloire à Dieu. C'est des choses qui arrivent, c'est ça notre génération. Il faut avoir un gros cœur. Pour supporter tout ça, c'est pas toujours facile. À l'époque de Pierre, il n'y avait pas tout ça, ils étaient mieux. Parce qu'aujourd'hui, today, le téléphone sonne, le père n'a plus le temps de consacrer à ses enfants. The cell phone rings, the father doesn't have time to give to his children anymore. Et le pire c'est que quand les gens n'arrivent pas à t'avoir au téléphone, ils s'énervent. And the worst part of it is that when people they cannot answer, tu réponds jamais. They get mad. Est-ce qu'on a signé un contrat toi et moi? We, when je te réponds tout le temps. When I call you, alléluia, you never pick up the phone. Did I? Tiens ton voisin, je suis libre. Covenant, the two of us, tell your neighbor I'm free. Oh Dieu, sauve-nous. Father God, save us. Je t'envoie un texto, tu réponds pas. Je t'envoie un mail, tu ne réponds pas. Je t'appelle, tu ne réponds pas. I call you. Je t'appelle sur le fixe, tu ne réponds pas. Je t'appelle sur Skype, tu ne réponds pas. I call you on Skype. Je t'appelle sur je t'envoie un texto sur WhatsApp, tu ne réponds pas. You don't reply. Dis à ton voisin, rachetez le temps. Tell your neighbor, redeem the time. Car les jours sont mauvais. Because the day are bad. Hallelujah. Hallelujah. Nous sommes fatigués. We are tired. Quelqu'un m'a dit, frère, tu es fatigué? Je dis, oui, je suis fatigué. Mais pas physiquement, je suis fatigué de tout ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Dans le monde. Vous voyez, ça fatigue. Vous voyez comment on a le temps? On nous a volé le temps. See, people, we've on nous vole been stolen, le temps. We've been stolen time. YouTube. On YouTube. Bon, pour recevoir la bonne parole, to ok. Receive the word. Okay. Dailymotion. Dailymotion. Ah, tout ça là, Facebook. All Facebook. Oh, Twitter. Twitter. Oh, quoi d'autre encore? Il y en a tellement.
tellement aujourd'hui. There are so many platforms. Et on les appelle les réseaux sociaux. And we call that social networks. Ce sont les réseaux. These are networks. Les connexions. Those connections. À peine que tu rentres de l'école, tu es connecté. As soon as you get home from school, tu sors de l'école, connecté sur la route. You just came out from school. You are already connected. On the road, on the way home, you are already connected. Regarde comment quand tu envoies les textos, tu es devenu spécialiste. Sans faute. Voilà notre génération. Génération tactile. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ne sont même pas mariés, ils sont très tactiles. Très tactiles. Bisous, machin, tout ça. On dit vous êtes mariés? Non. Mais comment vous pouvez être tactile comme ça? Chrétien, hein? Dans les églises. Le pastor prêche, on dit, mais ça, c'est vraiment Sodome et Gomorre. Non, le pasteur, il ne voit pas parce que lui-même, il est aussi tactile. Quand il sort de l'estrade, il va trouver aussi son, n'est-ce pas, tableau tactile, tout ça, son, voilà, son écran tactile. Voilà notre génération. On rigole, hein, de ce jour-là. Ça va être terrible. Oh non, on n'est pas encore marié, mais on a des projets. We're not married already, but we're still in project. We have projects. Oh non, pour les Africains, on a juste fait la pré-dot. We just did the pre-dowry. Donc il y a la dot. Because there is the pre-dowry, the dowry. Péché. It's sin. Vous êtes allé devant le maire? Non, on n'a pas encore le temps. City hall? On n'a pas encore l'argent. No, we don't have money yet. C'est comme s'il faut payer le maire pour être marié. Feels like we have to pay to give money to the mayor to get married. Frère, prie pour moi. Brother, pray for me. C'est une parenthèse. That's just another bracket. Je m'apprête à prier, je dis non. I'm about to pray. Et, the Lord says, no. Péché. He is marié. Back. No. He is in sin. Are you married? No. Ben, on compte le faire. Ça fait combien de temps que vous vivez ensemble? How long have you been living together? It's been 15 years. Et ça fait combien de temps que vous fréquentez les assemblées? Ça fait 17 ans. Have you been going in assemblies? It's been 70 years. Et vous pensez que vous êtes converti? Do you think that you're converted? Oui, je suis converti. Yes, I'm converted. I'm converted. Effectivement, tu es converti. And obvious, indeed, you are converted. Non à Christ. Not to Christ. Mais au bâtiment. But to the buildings. À la religion. And to religion. C'est pour cela que tes offrandes d'action de grâce, tu le donnes à ton pasteur parce That's que tu reconnais que c'est lui qui te bénit. Thanksgiving offerings, you give them to your pastor lui, because you recognize that he is the one who heals you. He is your God. Quand Dieu va revenir. When God comes back, il va inviter les mariés. He will invite those who are married. Tous ceux qui sont en concubinage. All those who are in common law marriage to the sad. Rigolez, mais ce jour-là, vous allez voir. Laugh it up, all y'all. Laugh it up, but this day you'll see. Oh non, nous avons été paxés. Oh, we've been paxed. Pax. Vous avez été axé, pas axé, pas très axé. Voilà, c'est ce que Dieu va faire ce jour-là. Allez voir, frère, ce jour-là, ça va être terrible. Rigolez, hein? Il y en a là, ils vont pleurer. Some people on ils that vont day, crier. They will cry. Dieu, they will groan. S'il te plaît. God, please. S'il te plaît. Please, God. S'il te plaît. Please, God. Pardonne-moi. Forgive me. Dieu dira. The Lord will say. Tu sais lire, non? Can you read? Tu as eu ma parole. You had my word. Qu'as-tu fait? What did you do? Non, mais tu sais, pasteur, mon pasteur n'a pas enseigné ça. Never told me that. Arrête de condamner ton pasteur. Stop condemning your pastor. Il est en bas. He is underneath. Toi, tu aurais pu venir avec moi, mais tu n'as pas voulu méditer ma parole. You could come with me, but you didn't want to meditate the word. Notre génération. Our generation. Il y a qu'à voir même chez nous. Even here, avec l'autonomie que Dieu m'a demandé de donner aux églises. With the autonomy that the Lord asked me to give to the churches. La plupart. Most of them. Ont devenu des bishops. Became bishops. Ça c'est mon église. It's my church. C'est-à-dire, il est mort à la croix pour cette église. It means that he died on the cross for this church. C'est pour ça que c'est son église. That's why it is. C'est lui qui était à la croix. He's the one who went to the cross. J'avais oublié qu'il y avait plusieurs Jésus. I had forgotten that there were many Jesuses. J'ai oublié ça. I had forgotten that. C'est mon église. It's my church. C'est lui qui n'est pas d'accord, il s'en va. Whoever disagree, just c'est leaves. Ma vision que Dieu It's m'a donnée. My vision, the vision that la nouvelle the Lord vision gave que Dieu m'a donnée. The new vision that the Lord gave me.
Heureusement que je ne reconnais plus les ministères comme avant. Fortunately, I do not ordain people like I used to. Il y a trop du n'importe quoi. Because there is way too much nonsense. Je vous dis. I'm telling you. C'est pour cela aujourd'hui. That's why today. Écoutez bien. Listen up. Je ne recommande aucun ministère. I do not ordain any ministry. Je ne recommande aucune église à quelqu'un. I do not recommend any churches to anybody. Ce que je recommande, what I recommend now is the word of God. Qui c'est que je recommande? Who do I recommend? Jesus. Chacun veut son bout de gâteau. Everybody wants his own piece of cake. It's my Les âmes du Seigneur sont devenues tes gâteaux. The souls of the Lord has become pieces of cake. Vous êtes là attaché au bâtiment. Vous restez comme des princes, comme des gourous, comme des rois. You are sitting here attached to buildings, like considering yourself as princes and kings. Et vous dépassez de loin les pasteurs qu'on a dénoncés. And you go even further in sin than the pastor that we denounced before. Pasteur principal, c'est moi. Main pastor, it's me. Jésus est quoi maintenant? Si toi tu es pasteur principal, if you are the main pastor, what is Jesus? Trouvez, try to find another title. Trouvez, s'il vous plaît, pour Jésus. Please try to find for Jesus. Un autre qualificatif. Another title. Un autre adjectif. Un autre nom. Another adjective. Another noun. C'est pour cela que Dieu m'a dit tu vas aller dans toutes ces villes pour crier. You will go to all the cities to speak out. Dimanche 1er juin, je commence à Orléans là. I'm starting in Orléans. Orléans. Avec des frères qui prennent dans une maison là, on va aller dénoncer là-bas. With brothers who speak, who lapidez-moi, dites ce que vous voulez. Pray in a house. Ne faites pas peur. We will go there. Je vais tourner partout dans Stone me if on you va louer des salles de we will rent. Je vais aller crier pour dire Jésus revient. Sortez de tous ces systèmes des hommes. Come out of toutes ces prisons. Of men, all these prisons. Come out of them. Les âmes du Seigneur. The souls of God. On veut quand même vendre. They want to sell. J'ai parlé avec des anciens d'un pays. Elders of one country. Un des anciens me dit. One of the elders told cette semaine, me this week. Mais tu penses pas que depuis que tu prêches la gratuité, nous on n'arrive plus à voir les livres, tout ça qui sont écrits. Free, we cannot. Et la Bible qui sort, tu veux pas la mettre un peu à un prix dérisoire pour qu'on puisse quand même nous aussi avoir quelques exemplaires? Je lui ai dit, je suis choqué. Toi qui prêches la parole, toi qui es ancien. Mm-hmm. Tu parles ainsi? And I told this brother, you are elder, elder in the church. You speak like that? Ça veut dire que vous n'avez pas compris le message. It means that you haven't understood the message. You are disqualified. Et laissez ceux qui veulent aller au ciel aller au ciel. Let those who want to go to heaven go to heaven. J'étais choqué. Donc je me rends compte que si Dieu m'enlevait aujourd'hui, then I realized that if the Lord would il va y avoir des grands, today, mais ça va être quelque chose. That would be like a lot of nonsense going moi, on. Tous ensemble, on est sur terre. All together, we are on earth. Jusqu'à l'enlèvement, on until va tous partir. Rapture, we'll all leave. Je vous dis, hein. I'm telling you. Dieu, Seigneur, donne-moi encore la vie. I told the Lord, just keep. Je vous dis, keep me alive. Frère, c'est terrible, hein. Le jour du Seigneur, là. C'est la confusion. Aujourd'hui, c'est la confusion comme pas possible. Confusion. C'est pour ça que quelqu'un vous dit que non, on that's est why on if est somebody ensemble. Tells fini, you ça, frère. That we are together, telling that it's over. Et ne venez plus me dire, non, mais tu sais, ton église là-bas. Non, frère, il faut arrêter. Moi, je suis mon église au ciel. Amen. Ah. Vous rigolez, mais je sais de quoi je parle. Parce que derrière, il y a des choses qui se passent. On se sert de ce message-là pour attirer les âmes, derrière pour prendre l'argent. Vous savez, quand tout ce monde-là, ça attise les appétits. Hein? You know, when there are like so many people out here, it appeals people's appetites. Donnez votre chaîne en or, donnez ci, donnez ça. Give your voilà gold, ce que les gens veulent. Your golden necklace. Give this, give that. Le jour du Seigneur. The day of the Lord. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Do you know why I speak like premièrement, that? Parce que Dieu m'oblige de le faire. First of all, it's because the Lord compels me to do it. Second of all, c'est parce que je vais aller au ciel. It's because I want to go to heaven. Parce que ce jour-là, because on this day, Dieu me dira, tu n'as pas parlé. The Lord will tell me, you did not speak out. Comme je voulais que tu parles. As I want you, as I wanted you to speak out. Quand Jésus disait, when Jesus used to say, race de vipères. A race of vipers. Hypocrites. Les gens disaient quoi? What would non, people mais say? Jésus, il faut pas parler Jesus, comme ça. Don't speak like that. Non, mais quand même Jésus. Please, Jesus. Sa propre mère. His own mother. Va pour l'arrêter. Went to arrest him. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jesus said, what is femme? Woman, what is it between the two of us? Toi,
Mon frère, you today, my brother, ta femme fait n'importe quoi. Your wife, she does. Et tu te dis chrétien, tu la caresses dans le sens du poil. And you call yourself Christian and you butt her up. Toi, femme, ton mari fait n'importe quoi, tu le caresses wife, parce que c'est ton mari. Your husband does anything. Ce jour-là. And you butter him up because he's your husband on that day. Tes enfants font n'importe quoi, your toi, chrétien, tu couvres. Your children are acting out and you Christian, you cover this up. Parce que c'est la famille. Because it's a family. Ah non, il faut comprendre. Because you gotta understand, it's a family. Élie, le sacrificateur est mort à cause de ça. Eli, the trop priest, de sentiments par rapport died, à ses enfants. He died because of that. Too much emotions and feelings regarding his children. And the prophet, Eli died because of that. Who wants to go to heaven? Non mais ce monsieur est dur. This man is harsh right here. Non mais attends, mais comment il se prend pour qui là? Please, who does he think he is? Mais je sais qu'est-ce que tu penses de moi. I know what you are thinking of me. Mais ce jour-là, tu verras toutes tes pensées seront exposées. All your thoughts will be exposed. C'est pas ton argent que je veux. It is not your money that I want. Je veux que tu ailles au ciel. I want you to go to heaven. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez une souris passer, vous allez dire c'est quoi? C'est un chat? Passing by, are you going to call it a cat? Non, c'est vrai. Mais pour beaucoup, yes, pour éviter les problèmes, vont dire non, c'est pas une souris. People will be like, no, it's not a mouse. C'est un chat. It's a cat. Et quand ils sont seuls, and when they're on their ils vont dire, mais en fait, en réalité, c'était une souris. They will be like, yes, actually, yes, mais it was a mouse. But you need wisdom. Ça, c'est la sagesse africaine. It's what we call your African c'est comme wisdom. Ça qu'on nous disait quand on était petit. That's what we used to be told when we were tu parles beaucoup. Children, faut you pas parler speak comme too ça. Much. Don't speak like that. Shh. Hush. Du coup, quand le téléphone sonnait, consequently, when the phone would ring, je suis pas là. The mom could Mama say, I'm not here. Dit qu'elle n'est pas là. Mama says that she is not here. Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin, l'heure est grave. Tell your neighbor, the time is serious. Regardez bien. Look here. C'est pour cela que quand un Africain arrive en Europe, that's why when an African qu'il soit pasteur ou chrétien, whether he's pastor la première chose qu'il va faire, the first thing he does, c'est d'aller voir le FPRA, l'office de l'immigration, pour dire je suis un homme politique. Is to go to the immigration to say that there is a, there is he was he used to be a politician back in, pas tous, in his homelands. Liars, not Alleluia. Everybody, but most of them. Et nous les Français de souche, and we the French native people, beaucoup sont des collabos, many are partners. Bonjour. Mais il se prend pour qui là? Un loqueur. Voilà l'homme. Ce jour là. On that day. Qui s'aperçoit que si le Seigneur revient, il ne va pas partir. Who realizes that if the Lord comes back, he will not be taken up. N'ayez pas honte. Don't be ashamed. Qui se rend compte qu'il va rester? Who realizes that he will be left behind? Merci pour votre sincérité. Thank you for your honesty. T'es pas malade? You're not sick. Tu te fais arrêter par ton médecin pour te reposer. But you want to be you want to have a sick tu leave. Tu es un menteur. You want to have a sick leave. Les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. And the liars will not enter the kingdom of God. Hallelujah. Tu es marié? You are married. Tu te déclares femme seule pour avoir les allocations? But you declare yourself as being single. Tu voles le gouvernement single. Français? You steal the tu es un voleur. You are a stealer. Alléluia! Alléluia! Qui s'aperçoit qu'il a des problèmes à régler d'abord? Who realizes that he has problems to solve before? Il y a des choses à régler. There are things to solve. Oh là là, ça dure longtemps ici, hein? Que c'est pas comme chez les catholiques. It's not like in the Catholics. C'est normal chez les catholiques ils s'ennuient. It's normal because in the Catholic they're bored. À midi il faut midday, le prêtre. The service must be complete. Voilà. Jeune homme, tu veux suivre Jésus? Oui, c'est bien. Tu as été invité. Dieu est bon. Ouh!
J'ai vu une femme en enfer qui me suppliait. Sors-moi d'ici. I saw one woman in hell begging me to take her out of here. Elle. I couldn't do anything for her. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que cette femme. Because this why this elle, woman. Elle était prêtresse sataniste. She was a satanic priest when she was on earth. Il faut qu'on vous dise les vérités. The truth. You need to hear the truth. I'm telling you. On a été habitué à être caressé. We were used to be told what we needed, what we wanted. Non, ma sœur, ton problème là, on fait une offrande, ça va aller. C'est faux. Just make an offering and it will prends be ton argent, right. Donne-le aux pauvres. It's wrong. Si tu veux la guérison, repends-toi. Give it to the poor. If you want your si healing, tu pas dans le péché, attends-toi à sin, Dieu, seul Dieu peut te sauver. He only Alléluia! Can save you. Alléluia. N'allez plus au Nigeria là-bas. Don't go to Nigeria to Olukoya. To Olukoya. Tibi Yoshua, tout ça là. Joshua. Hein, aussi. Also, don't stop going there. Arrêtez ça. Stop going there. Ce pèlerinage là. Arrêtez. This pilgrimage. Stop that. Arrêtez d'aller prier sur le mur de lamentation à Jérusalem. Stop going le mur de to the wall of lamentation. Jésus n'est plus là-bas. Jesus is no longer there. Vous pouvez vous faire rebaptiser dans le Jourdain là, vous n'aurez pas l'onction pour autant. You can be baptized again in the Jordan. You will not receive the anointing for that. Un pasteur que je dénonçais. A pastor that I denounced. Il y a pas longtemps, il a envoyé un SMS. Ago, he sent a message. He texted il dit qu'il va venir à l'école de mes enfants. And he said that he will come to the school of mais my children. Quoi? But to do what? Honnêtement. Honestly. Ils ne veulent pas qu'on parle. They don't want us to speak. Il a envoyé des SMS, il dit on va régler ça entre hommes, il veut me taper. He said, il va venir. Iron this out man to man. He wants to beat me mais down. Mais nous sommes dans quel monde? Which world are we in? Je lui ai dit avec joie qu'il vienne. I told him joyfully, come. Le jour du Seigneur. The day of the Lord. Qui se rend compte que beaucoup de pasteurs vont rester? Who realizes that many pastors will be left behind? Pourquoi vont-ils rester à votre avis? Why will they be left behind? Jeune fille, voilà, attends. Pourquoi vont-ils rester? Parce qu'ils volent l'argent, par exemple, des chrétiens. Because they steal money. They steal the money of the Christians. Pourquoi? Why will they be left behind? Parce que assez souvent les pasteurs ne disent pas la vérité. Because most of the time pastors don't tell the truth. Ils sont là à nous conduire dans l'erreur. They are leading people to mistake, to sin. Et puis on connaît pas la vérité. And we don't know the truth. Moi-même, j'étais dans une because I myself was in a church. I never heard so many truth. And it strengthens me the fact to come here because when I was where I was, pastor never used to say the truth. They never spoke about the Bible as they used to. As they had to. Jamais la parole. They speak about nonsense, but they never talk about the truth. Vous savez quoi? You know why? Quand les gens meurent, you know what? When people même certains die, chrétiens, quand même certains chrétiens, even certain Christians, ils s'aperçoivent, they notice que ce ne sont pas les anges qui viennent les chercher. That it's not angels who came to ce pick sont them des êtres cagoulés, des démons. It's you know, les démons les morts sont habillés comme that ça. They have hoods, demons. Et ils crient. And they cry. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Personne ne bouge. Nobody moves. Les démons les récupèrent. And demons take them. La terre s'écarte. The earth opens. Et ils rentrent en enfer. And they go deep in hell. Et ils s'accrochent aux parois. And they try to cling on the sides. No. Trop tard. It's too late. Ce que je vous dis là, c'est la vérité, frère. What I'm telling you here is the truth. J'en tremble. And I'm trembling about fini it. Pour eux. I'm trembling l'éternité over it. Dans un lac de feu. The eternity is in the lake of fire for them. Pourquoi? Why? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la vérité. Because they didn't want to hear the truth. L'orgueil. The pride. Il
Une sœur me racontait tout à l'heure la vision qu'elle a eue. A sister previously was earlier she was telling me about the dreams that I had, that she had. Elle a vu une sœur qui était avec nous qui aimait le Seigneur. Mm-hmm. Et elle a vu comment le Seigneur l'a disqualifié. Elle est partie ailleurs. She saw a sister that used to pray with us. How she was dismissed by the Lord. Me disait qu'elle voulait intervenir. Dieu lui a dit. And the Lord in the dream she wanted to intervene, but the Lord hushed at her. Et c'est la deuxième sœur. And it's the second sister qui a eu une vision sur cette même sœur. Who had a vision on about this very sister. Comme quoi elle est en enfer. As she was going to hell and it's over for her. Elle a trop parlé. Because she spoke too much. Elle a blasphémé. She blasphemed contre le Saint-Esprit. Against the Holy Spirit. Nous devons trembler. We must tremble. Même si tu penses que il y a des escrocs chez les pasteurs. Even if you think that there are like con men among the pastors. But I would like to tell you this right quand here. Quand tu te retrouves seul. When you are on your own. Réfléchis un peu. Think a bit. Sache qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Know that there is somebody above. Et que tu auras des comptes à lui rendre. And that you will have accounts to give him. Si je peux parler comme ça. If I speak like that. Ce n'est pas un manque de respect. It's not disrespecting. Parce que j'ai vu l'enfer. It's not because I disrespect it, because I saw hell many times. Et Dieu m'a dit. And the Lord told me. Si tu n'avertis pas mon peuple. If you do not let my people know about it. C'est toi qui auras des comptes à me rendre. It is you who will have accounts to give me. Et je vous assure. And I am telling you here. Il y a des gens. There are people. Qui étant païens. Being pagan. Avaient une bonne moralité. They used to have, you know, une fois qu'ils ont commencé à fréquenter les églises. But once they started to go in and out churches. Ils deviennent deux fois pires qu'avant. They became two times worse than before. Parce qu'on les a habitués, on les a poussés à l'amour de l'argent. Because they used to, you know, they were taught to be in love with money. C'est pour ça que beaucoup de païens ne veulent pas se convertir. And that's why many pagans don't want to convert. Parce qu'ils se disent. Because they say. Si c'est ça Dieu. If God is that. Ça ne m'intéresse pas. I'm not interested in ça that. Ça ne nous intéresse pas. I'm not interested. Quel est ce Dieu qui n'a que Dieu pour mon argent, qui n'a que what prêt pour God? Mon argent, what qui is that pense God qu'à mes biens? Who is after my money? Who is after my goods? What is that type of God? Quel est ce Dieu? What is that God? Dont l'enseignement est inaccessible. Whose teaching is inaccessible to the poor? Parce que c'est il faut payer, because payer, you gotta payer, pay. Quel est ce Dieu? What is that God? Qui ne touche que les noirs? Who touches only the black? Quel est ce Dieu? What is that God? Qui convertit les gens par la force? Who only convert people by force? Quel est ce Dieu? What is that God? Qui demande aux autres de tuer pour que les gens viennent à lui? Who asks people to kill for quel est ce Dieu? People to come to him? Qui autorise les femmes à avoir quatre, les hommes à avoir quatre femmes et les femmes un seul homme? Who allow men to have different wives and wife quel est ce just Dieu? One husband? This unfair God. What is that God? Qui te demande de tuer pour que les autres tremblent? Who asks you? Who demands you to kill for the people to tremble? Quel est ce Dieu? What is that God? Qui ne parle qu'au pasteur, qui ne parle qu'à l'équipe d'élite. Non. And not to the lay people. Dieu. God. Donc la parole nous parle. That the Bible speaks about. Reviens. It's coming back. Reviens. It's coming back. Jésus de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Et il revient. And he's coming back. D'abord. First of all. Pour l'épouse. For the bride. Pour les vrais chrétiens. For the true Christians. Il revient d'abord pour eux. First of all, he comes back for pour them. Pour les noces de l'agneau. For the wedding. Pour n'est-ce pas leur couronne? For their crown. Pour leur rétribution. For their retribution. Pour leur récompense. For their reward. Ce Dieu vient. This God comes. Et nous devons nous préparer, frères. And we need to prepare, pour ce brothers, retour glorieux. For his glorious nous allons bientôt partir. We soon will à la rencontre de l'époux. Taken up to the encounter with préparons-nous. Let's get prepared. Sanctifions-nous. Let's sanctify. Prenons nos robes. Let's clothe. Revêtons nos robes. Robes. Let's clothe. Et on va robes. Partir bientôt, frères et sœurs. And we will be taken up soon. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh, c'est le grand départ. It is the great departure. Bientôt on va partir. Soon we will be. Fini les maladies. Over are the fini la confusion. Over is the confusion. Quand la trompette va retentir. When the trumpet will blow. Les gens vont disparaître partout. People will disappear all over the ça place. Ça va être terrible. And it will be terrible. Nous allons monter à la rencontre de l'époux. We will ascend to the encounter. Et ceux qui vont rester. With the bridegroom and those who will be left behind will be terrible. Frère. Those who will be left voilà behind will be entier. Terrible for them. There will be chaos Dieu, all over the place. Dieu, des prophètes. Partout dans le monde. All over the place. Dieu envoie des prophètes. God sends prophets. Pour parler de ce retour. To speak about his return. Comme Jean-Baptiste. Just like John the Baptist. Dieu suscite des hommes et des femmes. God brings in men and women. Pour préparer le chemin du Mashiach. To prepare the way of the Messiah. Jésus revient. Jesus comes back. Je t'assure, Jésus revient. I am telling you, Jesus returns. Le roi des rois est en train de revenir, frère. He is coming back. Assis sur un cheval blanc. Seated upon a white horse. Et je peux voir ces élus qui montent. And I see his elect ascending. Je peux voir ces couples monter avec leurs enfants. I can see those couples ascending with their children. Je peux voir ces enfants en Christ monter vers le Seigneur.
these kids ascending to Jesus, ça va être glorieux. It will be just glorious. À la rencontre de l'époux. To the encounter with the bridegroom. Ça va être magnifique, frères et sœurs. Magnificent brothers. Alléluia. Hallelujah. Et je peux voir ces chrétiens and I can see these Christians entrer dans le tribunal de Christ. Entering the court of et God. Et sortir de là and coming out avec of des it couronnes. With crowns. Avec leur récompense. With their rewards. Avec leur manteau éclatant. Bridging, je peux voir ces élus with their shining oh couronnés de gloire. I can see those elect crowned frères, with glory. Nous allons rencontrer Paul. We will encounter Paul. Nous allons voir Élie. We will see Elijah. Nous allons voir Moïse. We will see Moses. Nous allons voir Abraham. We will see Abraham. Nous allons voir Jacob. We will see Jacob. Nous allons voir tous ces we prophètes. Will see all these prophets. Nous allons voir Déborah. We will see Deborah. Frères et sœurs, brothers, Dieu va essuyer les larmes. God will wipe the tears des martyrs. Of the martyrs. Il va essuyer les larmes. He will wipe the tears de ceux qui sont rejetés à cause de la parole. Rejected because of the truth. C'est un grand jour qui arrive, frères et sœurs. Le jour de l'Éternel des armées. Prépare-toi pour ce grand jour. Prepare for this great day. Prépare ta famille. Prepare your family. Prépare ton mari. Prepare your husband. Prépare tes filles. Prepare your daughters. Prépare tes fils. Prepare your sons. Prépare tes cousins. Prepare your cousins. Prépare tes cousines. Prepare your cousins. Prépare ton âme. Prepare your soul. Oh, c'est le jour du Seigneur. The day of the Lord. Oh mon Dieu. Brothers. Glorieux jour. What a glorious day. Wow. Fais la liste des enfants que tu as qui ne sont pas sauvés encore. Make the list of the children that you have commence who are not saved pour yet. Eux. Start to fast for them. Commence à gémir pour eux. Begin to groan for them. Commence à intercéder avec ton mari. Begin to intercede with your husband. Fais for la them. Liste des personnes dans ta famille qui ne sont pas encore sauvées. Write down the list of the members of your family who are commence not saved yet. Commence à gémir pour tes and ta begin famille. To groan for réclame the members of your family. De frères et sœurs. Reclaim devant le trône de Dieu. The souls of your sisters gémis and brothers. Gémis comme une sentinelle. Before the throne of God. Gémis comme un intercesseur. Like a watchman. Like Dieu a watchman. Sauver. Because God wants to save. Dieu veut sauver. God wants to save. Voilà pourquoi il répand son onction. And that's why he spreads his anointing. He spreads his grace. Oh, je vois des jeunes. I see you, the youth. Qui sont debout. Up. Dans les cités. In je vois cities, des jeunes. In ghettos. I qui see seront the youth. Debout. They will be up. Je vois des anges. And I see angels. Qui donnent des trompettes. Who give trumpets. Aux jeunes. To the youth. De toutes les nationalités. Of all nationalities. Et je vois ces jeunes crier. And I see this man. Je les entends crier. Crying. Sanctifiez-vous. I hear him crying je out. Je vois ces jeunes sanctify. Partout. I see those youth dans all les gares, over the place, in the dans train les parcs, stations, dans the parks, les métros, dans les bus, in buses. L'esprit de Dieu les saisira. The Spirit of God will seize them. Et ils prophétiseront. And they will prophesy. Joël 2:28 s'accomplira. Joel 2:28 will come to pass. Dans cette génération. In this generation. Dieu répand son esprit. The Lord spreads his anointing. Tu vois dans ton cœur? You see here in your heart. De Dieu, there's the thirst of God from la now soif on. De vivre autre the thirst chose. Of living something de goûter autre chose. The thirst d'expérimenter of experiencing autre chose. Something else. Et toi, jeune fille? And you, young Dieu te prépare. Young girl. The Lord is preparing tu you. Tu es ma fiancée, you le Seigneur. Bride, says tu the Lord. Es mon épouse, you are my bride, te dit le Seigneur. Says the Lord. Et ton époux, and your bridegroom, par la souffrance, il te sanctifie. Through suffering, he is sanctifying on you. On va te blesser. You will be on va te wounded. Critiquer. You will be criticized. On va te rejeter. You will be rejected. On va t'attribuer you toutes sortes de choses. You will be called any type of names. Mais Dieu te dit, je but permets God cela says, parce que je me sanctifie en toi. Because I want parce to sanctify que je te purifie. You. Because I purify parce que you. Je te lave. Because I wash pour you. Ma gloire. For my glory. Oh Dieu de gloire. God of glory. Oh Père. All right. Fais la liste des pasteurs que tu connais. Write down the list of the pastors Dieu t'enverra you know. Auprès d'eux. The Lord will send you pour to leur them, parler. To talk to them. Qu'ils écoutent ou pas. Whether they hear or Dieu not. Te dira parle-leur. The Lord will say. Tu parleras talk à ton them. Père. You will talk to your father. Tu diras à ton père, père. You will say father, papa, daddy. Commence à enseigner sur le retour de Jésus. I've been taught about the return of Jesus. Jeune fille, young girl, tu recevras des visions de plus you en plus. You receive visions des more and more. De la part du Seigneur. Dreams on the Lord's concernant behalf. Le retour du Maître. About the return of Jesus. Tu auras de plus en plus. You will have more and la more. La prophétie de Dieu. Prophecy of God. Tes oreilles vont s'ouvrir. Your ears will tes open. Tes yeux s'ouvriront. Your eyes will open. Tes langues se délieront. Your tongue. Afin your de parler. Tongue in order de la part du Seigneur on des armées. On the Lord's behalf. Je dis. The Lord says, je parlerai. I will speak. Qui ne prophétiserait? Qui ne prophétisera? Who shall not Dieu prophesy? Parle. God speaks. Dans cette génération, in this generation, Dieu cherche des langues. The Lord Dieu cherche des bouches. He seeks Dieu cherche des corps. He seeks bodies. Dieu cherche des mains. The Lord seeks hands. Dieu cherche les oreilles. He seeks ears. Dieu cherche des gens. He seeks men. Et c'est toi que Dieu a and trouvé. You are the one that the Lord has chosen. Tu parleras. You shall speak. Qu'ils écoutent ou pas. Whether they hear or not. Tu iras. You will go. Tu feras l'œuvre. You will do the work. Ton problème de couple.
Your couple problem. C'est pour ta formation. It is for your formation. Afin que tu saches comment Dieu souffre. It is for you to know how much God suffers. À cause de l'état de l'église. Because of the state of the church. Dieu souffre. The Lord suffers. Tu vas éprouver les douleurs de Dieu. You will feel the labor pains. Les douleurs de l'enfantement. The labor pains. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Il y a beaucoup de choses qui vont te révolter. There are many things that are going to make you La angry. Religion te révolte. Religion will revolt. Le péché te répugne. Gets you mad. The sin gets you mad. Tu n'aimes plus le péché. You don't like sin anymore. Parce que tu commences à vivre dans la sainteté. Because you begin to live in holiness. Parce que tu expérimentes la sainteté. Because you experience the holiness. Et on ne te comprend plus. And you are misunderstood. On te traite de vieille femme. You are called old woman. Alors que tu es jeune. As when you are young. C'est parce que Dieu t'a mis à part. The Lord has set you aside. C'est pour ma gloire. It is for my glory. C'est pour mon nom. It is for my name. Que tu souffres. That you're suffering. Oh Père. Father. Tu vas amener le jugement de Dieu partout. You will bring the judgment of God everywhere. Car tu as reçu le bâton. Because you received the rod. L'autorité. The rod of command. Pour crier. To cry out, to speak out. D'ici la fin de l'année, Dieu va te former encore. By the end of this year, the Lord is going to train you even more. He's going to equip you even more. Tu souffres. You suffer. À cause de ces chrétiens enfermés. Because of these Christians that are locked up. De ces chrétiens liés. Christians are bound up. Tu aimerais les voir libérés. You would like to see them free. Et tu commences à prier pour eux. And you pray for them. Tu commences à pleurer pour eux. You cry for them. Cette souffrance. This suffering. Cette compassion que tu as. Compassion that you have. Va provoquer ce réveil. Will provoke this revival. Dans cette église. In this church. Il t'a établi le Seigneur comme une sentinelle. The Lord has established you as a watchman. Tu verras. You'll see. Tu verras des choses. You'll see things. Qui vont encore te choquer. That will shock you even more. Tu entendras des choses. You will hear things. Qui vont te choquer encore. That will shock you even more. Et tu ne bougeras pas. And you won't move. Parce que je t'ai établi. Because I've established you. Afin d'intercéder. As an intercessor. Afin de crier. In order to cry out. Souviens-toi que tu es sacrificateur. Remember that you are a priest. Le jour du maître. The day of the father, the day of the master. Ta tête sera réclamée sur un plateau. Your head will be wanted. Comme Jean-Baptiste. Just like John the Baptist. Mais tu n'as pas le choix. But you don't have the choice. Que de parler. You don't have any choice. Et la volonté du Seigneur se fera dans ta vie comme tu le lui as demandé. And the will of God will be done in your life as you asked him. C'est dehors que Dieu t'attend. It is outside that the Lord is waiting for you. Il t'équipe comme ça pour aller dehors. He equips you like that to go outside. Il t'équipe comme ça pour aller dehors. He equips you like that to go outside. Jeune femme, jeune fille, young woman, jeune homme, young man, pour aller dehors. To go outside. Tu vas acheter des Bibles. You will be. You tu will vas prendre buy des Bibles, Bibles. Pardon. You will take Bibles. Tu vas prendre des Bibles. You will take Bibles. Notamment ta Bible qui va sortir. Tu vas aller diffuser la parole partout. And you will spread the news everywhere. Tu vas prendre ton argent. You will take your money. Tu vas acheter la nourriture. You will buy food. Tu vas aller nourrir les SDF. And you will feed the homeless. Voilà ce que Dieu veut pour toi. That's what the Lord wants for you. Toi qui demandes au Seigneur ce qu'il attend de toi. You ask the Lord what does he want for you. Prends ton argent. Take your money. 50 euros, 100 euros. 50 euros, 100. Va acheter des baguettes. Go buy fais des sandwichs. Make sandwiches. Va voir les SDF. Go to the homeless. Va voir les pauvres. Go to the poor. Donne-leur à manger. Give them food. Voilà ton appel. That's your call. Avant le retour du maître. Prior to the coming of God. Des voix prophétiques se lèvent et se lèveront. Prophetic voices will arise. Qui sait? Who knows? Peut-être que c'est toi. It's maybe you. Qui sait? Who knows? Peut-être que c'est toi que Dieu a élu. It's maybe you that the Lord has elected. Pour aller avertir. To go and warn.
Voilà pourquoi tu es un homme solitaire. That's why you are a lonely man. Tu es une femme solitaire. You are a lonely woman. T'as pas compris pourquoi Dieu t'a isolé? Haven't you understood why the Lord has isolated you? T'as pas encore compris? Haven't you understood? Pourquoi Dieu a enlevé tous tes amis? Why has the Lord taken away all your friends? Mais c'est parce qu'il te prépare. It's because he's preparing you. Toi qui souffres par rapport à ta femme. You were suffering. Ne penses-tu pas que Dieu peut la toucher? Because of your wife. Don't you think that the Lord Dieu is able to touch her? Dieu se sert-elle pour te travailler encore? The Lord uses her to work on you even more. Ton appel. Your call. C'est auprès des policiers. Is with the police. Ça, c'est ton officers. Autorité. It is your authority. Dieu veut sauver beaucoup de policiers aussi. The Lord wants to save a lot of police officers. The authorities. Dieu veut les sauver. The Lord wants to save them. Parce qu'il y en a aussi qui sont fatigués. Because they are also in them. Oh Dieu. They are also worn out. Prophétisez sur vos enfants. Prophesy on your children. Imposez les mains à vos enfants. Lay hands on your kids. Déclarez la parole. Declare the word. Que ce sont vos enfants. Declare that they are your children. Vous les avez portés pendant des années. You bore them for years. Dans votre cœur. In your heart. Vous les avez portés you dans votre sein. Them in pendant your, des mois et des mois. In your womb for months et rappelez and months. À Satan que ces enfants ne lui appartiennent pas. Recall the devil that these kids do not belong to him. Qu'il est écrit. Recall. Nous serons sauvés nous et nos familles. It is written we will be saved us and our families. Rappelez à l'ennemi sa défaite. Recall the enemy is defeat. Qu'avec nos enfants nous allons entrer dans that ce royaume. With our children we will enter this kingdom. Priez, prions pour la France. Pray, let's pray for France. Dieu veut sauver beaucoup de Français. The Lord wants to save many French people. Qui désire sa présence. Who desire his presence. Une jeune fille a beaucoup pleuré pour son grand frère. A young girl here cried a lot for her le big brother. Ne t'inquiète pas. The Lord says, do not je vais trouble. Moi-même le visiter. I myself will visit him. Oh oui. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Those who want to give their lives to Jesus today. Si tu ne l'as jamais fait. If you've never done it before. Venez. Come up front. Alléluia. Don't be ashamed. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Lord. Dieu sauve. The Lord saves. Encore, alléluia. God saves. Jésus règne. Jésus règne. Oh mon Dieu. Il règne. Jésus règne.
Il est tout puissant, alléluia. He's almighty. Est-ce qu'on peut monter encore, Alex, c'est possible? Est-ce qu'on le veut, ce Jésus de Nazareth? Do we want Jesus of Nazareth? Oh mon Dieu. Son amour est là. His love is here. Son amour est là pour toi. His love is here for you. Dieu veut te sauver. God wants to save you. Il veut te sauver. He wants to save you. Il veut te sauver. He wants to save you. Car celui qui vient est notre sauveur. Because the one who is to come is our savior. Celui qui vient est notre Dieu. The one who is to come is our Lord. Ceux qui veulent le baptême aujourd'hui, venez également. Those who want to receive baptism, you may come up front too. Ceux qui veulent le baptême aujourd'hui, those venez. Baptism, you may Alléluia. Come up front. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Jésus revient. Jésus revient. Mon Dieu, alléluia. Tous ensemble, Maranatha, 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 Maranatha. Dieu revient. Maranatha. 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 Oh Jésus, merci Seigneur, mon Dieu. Pour ces hommes et ces femmes. Let us pray all together for this man and woman. Oh Père, merci. Lord, thank you. C'est le jour de ton salut. It is the day of your salvation. C'est le jour de ta délivrance. It is the day of your deliverance. Oh que Dieu les délivre. May the Lord deliver them. Que Dieu les guérisse. May the Lord heal them. Père, au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Seigneur, guéris-les. Lord, heal them. Seigneur, sauve-les. Lord, save them. Seigneur, délivre ces hommes et ces Lord, femmes. Lord, save this man and woman. Souviens-toi d'eux, Papa. Remember them, O Lord. Merci pour ton amour. Thank you for your love. Dans leur vie, Seigneur. In their lives, pour O Lord. Pour leur vie. For their lives. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh Père. Oh Père. Mon âme bénie. Oh Seigneur, merci. C'est glorieux ce que Dieu fait. It is glorious what the Lord does. Wow. Aurélie, est-ce que tu peux, Aurélie, tu peux venir pour suivez Aurélie, suivez-la, elle vous amène quelque part. Et David pour les hommes, pour les baptêmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Can we give a hand clap unto the Lord for them? Merci. Suivez Aurélie pour le baptême. De louange. Alléluia. Gloire à Dieu. Par sa miséricorde, tu auras à toujours. Oh Seigneur.
C'est beau tout ça là. It's beautiful to see that. Que l'enfer soit, enfin, le royaume de Satan soit dépeuplé. For the kingdom of the devil to be emptied like that. Y a-t-il des personnes qui veulent abandonner la sorcellerie? Is there anybody here willing to abandon witchcraft? Qui n'en veulent plus? Who no longer want it? Qui veulent suivre le Seigneur? Who want to follow Jesus? Dieu est venu pour nous sauver. God has come to save us. Y a-t-il quelqu'un qui veut confesser un péché? Is there anybody willing to confess a sin? Qui n'en veut plus? And who don't want it anymore? Merveilleux Seigneur. C'est pas grave. Ça va aller, viens, je vais t'aider. Tu veux abandonner quoi? Why would you like to confess? Je suis fatigué parce que depuis à l'âge de 8 ans, je me suis donné au Seigneur. I'm tired because from the age of 8, I gave my life to Jesus. Je suis vraiment en symbiose avec Jésus. Je chute à chaque fois. And every time that I'm in connection with the Lord, I fall. J'ai compris avec moi pour que j'ai envie de suivre Jésus vraiment. Because I want to follow Jesus Christ sincerely. And I would like for us to pray. Prier avec elle. Prions pour elle au nom de Yeshua. Let us pray for her sister. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Sauve notre sœur. Que sa vie, Seigneur, soit gardée, protégée. Au nom de Yeshua. Amen. Waouh, Dieu est bon. God's good. Ça va? Tu veux abandonner quoi? What would you like to abandon? L'adultère. Adultère. Il veut abandonner l'adultère. He wants to abandon adultery. Levons nos mains, prions pour lui. Let's stand up our hands. Let's Dieu raise est bon. Our hands and pray Amen. For him. Oh, Dieu sauve. Dieu aime ce frère. God loves this brother. Il était chef d'une chorale, c'est ça, non? La chorale de son assemblée. He was the director of the choir of his assembly. Il vient de découvrir le message. He just discovered l'évangile the message, de Jésus. The gospel of Jesus. Et s'il était mort, and if he was dead, dans ce péché, il serait allé en enfer. If he would be dead in the sin, he would have gone straight to hell. Ni les menteurs, if he was dead in the sin, ni les voleurs, he would have been ni les sorciers, straight ahead. Ni les adultères, neither les the sinners, neither the fornicators, nor the adulterers. Merci pour ton humilité. Will inherit the kingdom of God. Thank you, Lord, for your humility. Dieu le libère de l'adultère. Est-ce the que Lord vous le croyez? Set him free from adultery. Do you believe Prions it? Pour lui, frère. Let us pray all together et for sœur, him. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Père, merci pour ta Father, grâce. God, thank you for your grace. Qu'il soit libéré au nom de Yeshua. May him be free in the name of Jesus. Que ce péché te quitte Let maintenant. Let comes out of you right au now. Nom de Jésus in the name Nazareth. Of Jesus. Au nom de Jésus in de the Nazareth. Name of Jesus. Sois libre, libre, be free, libre, be free libre, in the name of Jesus. Libre au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Waouh, gloire à Dieu. Waouh. Magnifique le Seigneur. Dieu est bon. God's good. Il est allé se faire baptiser. Alléluia. Bonjour. Merci. En fait, voilà. Moi, à la base, je suis quelqu'un déjà converti. First of all, I'm already, converted. J'aime pas parce qu'en fait c'est la nuit que ça m'arrive. Et it c'est super at night. Embêtant qu'on croit en Dieu et qu'on aime Jésus, c'est super embêtant. And it's really boring when fait, you love Jesus. Il y a pas mal de nuits où je suis attaqué par la masturbation et c'est super embêtant. Donc en fait c'est pour ça en fait que je voulais confesser. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, enfin voilà quoi. As Jésus being a child of God, Jesus comes back soon and I don't want to play around with it. J'ai beaucoup de mal à jeûner. J'ai beaucoup de mal à jeûner.
et c'est super lourd quoi. And c'est it's really hard for me. Quoi. It's really boring. Ça me bloque de ce que Dieu veut me dire. Because it blocks me. Est-ce qu'on peut prier pour lui? To commit masturbation overnight. Prions pour lui, frères et sœurs. Let us pray all together for him. Au nom de Yeshua. Quitte mon frère. Quitte-le. Quitte le nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là, sirène. Quitte-le, sirène des eaux, quitte-le. Un esprit de sirène là. Quitte-le au nom de Jésus de Nazareth. Il ne veut plus de toi, tu m'entends, au nom de Jésus de Nazareth. Il veut se sanctifier pour suivre son Dieu. Au nom de Jésus. God, in the name of Jesus. Quitte ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Il ne revient plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Plus jamais au nom de Jésus de Nazareth. Plus jamais au nom de Jésus de Nazareth. Never come back in the name of Jesus. Oh Dieu d'Israël. Oh Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Voyez, l'ennemi le lie à ce péché à cause d'une blessure. You see, the enemy binds him to the sin because of a wound. Et sachant aussi qu'il y a un appel puissant sur sa vie. And knowing also that there is a powerful call on his life. Et l'onction de l'esprit de Dieu. The anointing of the Spirit of God. Vient sur lui. Comes upon him. Et brise ce joug. And breaks this yoke. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Tu auras une vie normale, toi, te marier. You will have a normal life. You will get married and you will serve the Lord with your wife in the name of Jesus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon. Wow, ça va aller, mon grand. Bon courage. Alléluia. Je tiens hein, tes mains, c'est pour acclamer le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Débarrassez-vous du péché, frère. Get rid of your sin. Bonjour. Alors moi c'est avant tout le manque de pardon. Voilà. As for me, it's the lack of forgiveness. Je vais avoir du mal à m'exprimer. J'ai beaucoup subi dans ma vie et j'arrive pas à pardonner. Voilà. Le manque de pardon, pardon parce qu'il a beaucoup été blessé. Because he's been wounded a lot and he has a hard time to forgive. Et on va prier pour que le Seigneur lui accorde sa grâce. And we will pray so that the Lord grants him possibilité de pouvoir pardonner. So that he may forgive. He may forgive. Amen. Hallelujah. Le manque de pardon nous bloque. Lack of forgiveness blocks us. Prions pour lui au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ, tu vas quitter ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas lâcher mon frère, tu vas le lâcher au nom de Jésus, tu vas le lâcher au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas remonter, tu vas partir, tu vas t'en aller au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu sors maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, l'amour du Père te guérit, mon frère, au nom de Jésus de Nazareth. L'amour du Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Même si souvent tu as été combattu, cassé, even though délaissé, you've been battled, jugé à tort au nom de Jésus, faussement accusé à tort, you've been accused, te guérit, te libère de ce fardeau au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Il te libère de toutes ces colères au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire à ton nom Seigneur. Merci Père, merci mon Dieu. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Bonjour. Moi ce serait aussi manque de pardon et plein d'autres choses qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi. Manque de pardon pareil. Est-ce qu'on peut prier encore? On peut prier pour alléluia, pour notre sœur au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Ludo, tu peux venir avec nous, prier pour nous. Alléluia. S'il te plaît. Prions pour elle au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir là, c'est vous qui priez, hein, d'abord pour les frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On est chrétiens, on prie les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, nous dit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui ont subi des attouchements sexuels. There are people who ont été violées. When the wind sex touch, qui veulent être libérés de cette colère. Who people were raped, they want to be delivered from this anger. Don't be ashamed, come up front. Le Seigneur veut vous guérir. The Lord wants to heal you. Il veut guérir votre cœur. He wants to heal your hearts. Il veut guérir votre âme. He wants âme. To heal your soul. Car il vous aime, le Because Seigneur. He loves you. Il vous a choisi, le And Seigneur. He chose you. Alléluia, gloire Alleluia. À Dieu. Glory Dieu to God. Est bon. God's good. Alléluia. Jesus Christ, alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Yeshua. In the Au name nom of Jesus. De Yeshua. Oh, une onction là sur elle là. Jesus Christ. Oh, alléluia. Dieu l'aime. Une onction là. C'est Jesus. Ludo là. C'est quelque chose là sur elle là. Ouh. C'est des liens de famille là. Alléluia. Au nom de Jésus. Allez, tu lâches la vie. Lâche la vie au nom de Jésus. Lâche. Quitte là au nom de Jésus de Nazareth. Quitte là.
Prions pour elle, frères et sœurs. Prions pour elle au nom de Jésus. C'est des liens de famille au nom de Jésus. Comme si elle était consacrée à un esprit religieux là. Au nom de Jésus, à Marie là, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu. Oh Dieu de gloire, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut te rencontrer, il veut faire de toi un père. God wants to meet you. He wants to do a father out of you. Un père de beaucoup d'enfants. He wants to make a father of many kids. Tu es quelqu'un de droit qui n'aime pas les détours. You are an upright person. Quelqu'un qui aime la justice. You love righteousness. Qui n'aime pas voir les autres être abusés. You don't like to see people abused. Et tu es quelqu'un qui dit les choses clairement. You are somebody who says things. Le Seigneur veut te dire qu'il te connaît. The Lord tells me to tell you le that Seigneur he knows va restaurer you. Ta famille. He will restore your family. Le Seigneur veut se servir de toi. He will use you. Et ainsi que les enfants qu'il va te donner. And also the kids that they will give you. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. I don't know you, but the Lord does. Le Seigneur voit tes combats. And the Lord sees your battles. Il voit des questions que tu te poses. He sees the different questions qui restent sans réponse. Who remains il me dit, dis-lui, je veux l'éclairer. He wants me to tell you that. He will enlighten you. Il va te donner les moyens qu'il faut. He will give you the resources needed. Pour pouvoir venir en aide aux autres. To help other people. Le Seigneur te dit. The Lord says. Je veux te visiter cette année. I want to visit you this year. Je veux te rencontrer personnellement. I want to meet you personally. Et tu verras ma gloire éclater dans ta famille. Glory. Burst out in your family. Tu verras des cœurs malades dans ta you famille être guéris, des gens malades être restaurés. People wounded to be cured. Pour la gloire de mon nom. For the glory of my name. C'est Dieu qui t'a invité aujourd'hui. It is God who invited you today. C'est lui qui t'a attiré ici. He's the one who attracted you today. Et il me dit de te dire, il t'attendait depuis. And he tells me to tell you that he's been waiting for you mais for a long time. C'est ton jour. But today is your day. C'est ton jour. Today is your day. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh Dieu de gloire. God of glory. Qui croit que Dieu peut guérir aujourd'hui? Who believes frère? That the Lord is able to cure? Oh Dieu est magnifique. Ça va? Oh magnifique le Seigneur. Jesus. Ça fait 10 ans qu'on fait des délivrances. Ah ben là c'est bon là. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu n'iras plus ici et là c'est fini ça au nom de Jésus de Nazareth. Fini. Gloire à Dieu. Ça va? Ça va très bien. Par la grâce de Dieu ça va. Merci. Alléluia. Vous quelque chose à dire? C'est la première fois que vous venez. Gloire à Dieu. First time you guys come. Wow. C'est le temps de ta consolation. It is the time for your comfort. C'est ce que le Seigneur me te dit. That's what the Lord tells me to tell you. Il t'a donné un filet. He has given you a net. Tu vas pêcher beaucoup and you beaucoup will fish many fishes. Les âmes. The souls. Que Dieu veut toucher. That the Lord wants to touch. Avec cet homme. With this man. Vous allez servir le Seigneur. You will serve the Lord. Dit le Seigneur. That's what the Lord says. Cet enfant. And this child. Est l'enfant de l'alliance. He is the child of the covenant. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh Dieu de gloire. God of glory. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. God is good. Wow. Ouh. Quelqu'un a quelque chose à dire ici? Oui, bon, c'est pour mes pieds. Donc, parfois, je crache du sang et la fumée. J'ai des pieds qui rongent. C'est comme si on me tirait les pieds parfois. Donc, je voudrais qu'on prie pour moi. Elle crache du sang. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir, frères et sœurs? Prions pour elle. La fumée? Des traces de fumée. Et les pieds, j'ai au niveau des pieds, là. Waouh. C'est en train de disparaître. On va prier pour elle. On va prier pour elle au nom de Yeshua. Hein, mon frère Julien, on va prier pour elle. Au nom de Jésus. Je prie, on va prier. Ça va? Dieu est bon. Délivré du vaudou qu'on a fait sur moi. Du vaudou qu'on a fait sur elle. Vous pensez que le Seigneur peut briser la puissance du vaudou? Do you think that the Lord is able to break the power of voodoo? Ouais. Mon frère Gérard aussi, viens prier avec nous. Et on va prier pour tout ce monde, la Ludo, là. Priez pour tout ce monde. Suivez, venez, on va prier pour vous, il n'y a pas de problème. Les frères qui sont avec nous pour la prière sont des hommes, des dieux, des gens qui aiment le Seigneur. Alléluia, Dieu est bon, il va vous libérer, là, vous guérir au nom de Jésus de Nazareth. C'est quoi que tu voulais dire? Oui, je vais abandonner la fornication parce que ma femme est décédée, je suis rentré dans l'adultère. La fornication, mon frère? Je peux prier pour lui, s'il te plaît. Merci. Viens maintenant. Merci, Loïc. Prions contre la puissance du vaudou. Let us pray against the power of voodoo. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus.
Nous renversons, Seigneur, toute influence maléfique. We destroy all cet esprit qui veut détruire cette jeune femme. Devilish influences. Toutes ces pensées qu'on lui envoie. All these thoughts that she sends. Toutes ces attaques nocturnes. All these night attacks. In the name of Jesus. Nazareth. Quitte-la. Come out. Quitte-la. Come out. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la. 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 C'est comme si on t'a mis dans un trou, Dieu te sort de là. The Lord takes you out of this world you've been put in. C'est un démon qui sort là. There's sort. A demon that comes out of the mouth in the name of Jesus. Quitte-la, quitte-la, nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la, quitte-la, voilà, quitte-la. Seigneur Jésus, Jésus.
toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit son nom. Oh, béni soit son nom. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, il reste le même. Toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Le sorti du tombeau, il est Seigneur. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, Jésus-Christ, oh, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Alléluia, oh, fléchira, toute langue confesse, oh, que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, oh, alléluia, oh, je le confesse. Il est sorti du tombeau. Oh, alléluia. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Oh oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit, oh, glorifie son nom. Car la mort dans le tombeau.
Le Seigneur va libérer son peuple. The Lord is setting his people free. Le Seigneur va libérer son peuple. The Lord is setting his people free. Cette femme, on l'a épousée. This woman has been married. She's been spiritually married. Quelqu'un de proche. Somebody close to her. On va la laisser maintenant. Now you let her. You let la puissance let her. De Dieu est là. The power of God is here. Et y a pas que elle. And there is not only her. D'autres personnes vont être délivrées aujourd'hui. Other people will be delivered today. On a ses deux jambes sont liées par une chaîne. Both her legs are chained up by a chain. Il y a une onction de délivrance là. There's an anointing of deliverance. Dis à ton voisin, Jésus est là. Tell your neighbor, Jesus is here. Allez, sors d'elle au nom de Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Oh, une onction sur toi, ma soeur. Et ce problème de santé disparaît en même temps. Au nom de Jésus. Oh, j'aime le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel est ton nom? Toi, c'est qui? Chut. Ton nom? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui croit que ce démon peut sortir? Who believe that this demon can come out? Quel est ton nom? What's your name? Bon, on va pas discuter avec les esprits. We won't discuss with spirits, all right? À genoux au nom de Jésus. You go on your knees right away. Le Seigneur a versé son sang à la croix. The Lord has shed his blood on the cross for her. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. À genoux, démon. You go on your knees right now. Ma sœur, aujourd'hui c'est ton jour. Tonight, my sister, is your day. C'est le jour de ta délivrance. This is the day of your deliverance. Oh, Dieu d'Israël. God of Israel. La sorcellerie de ta famille est brisée. The witchcraft of your family is broken. La sorcellerie de ta famille est brisée. The witchcraft of your family is broken. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Sors! Acclamez Jésus de Nazareth. Ça sort. Alléluia! Oh! Les démons ont chaud. Demons are hot. Au nom de Yeshua. Ses cheveux sont remplis de choses Quitte-la. Quitte-la. Quitte-la maintenant, démon. Sors au nom de Nazareth. Allez, à genoux ma soeur. À genoux maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Wow. Wow. Chut. Quelqu'un ici. Somebody here. Quelqu'un ici a été envoûté. Somebody here has been bewitched. Par la nourriture. By food. Par la nourriture. By food. Tu vas vomir quelque chose là. And you will spit out something. Tu vois non? Il y a une onction là. Qui vient sur toi. There's an anointing that comes upon you. Brisez ton envoûtement. To break your bewitchment. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh. On va prier pour vous, vous inquiétez pas. We will pray for you, don't worry. Et laissez-moi donner toutes ces paroles de connaissance. Let me give all those words of knowledge that the Lord gives me. Elle, toutes les nuits, on sort son esprit de la sorcellerie. Every night, they take her spirit out of her through sorcery.
Là, c'est un cobra. It's a cobra here. À genoux, ma soeur. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Oh Dieu de gloire. Jesus Christ. Qui croit que le Seigneur est Seigneur? Who believes that the Lord is Lord and Savior? Jesus. C'est sa maman? Sa maman est là-bas. Oh. Vous voyez comment les gens souffrent? You see how much people suffer? Elle a mangé, on l'a ensorcelée. She ate something and she's been bewitched. D'ici la fin de l'année, by this, the end of this year, elle va commencer à sortir elle-même pour aller manger les autres. Si Dieu n'intervient pas, if the Lord does not intervene, mm-hmm. by the end of this year, she would have come, she would have been coming Jésus. Out of her body Seigneur, by herself to go and eat people spiritually. Lord, sur ces personnes. Your mercy upon these people, de... in the name of Jesus. Jesus. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Ouais. Wow. Chut. Quelqu'un est lié au niveau de la tête. Au niveau de ta tête, on t'a lié. Il y a un esprit là qui va te lâcher là. Au niveau de ta tête. There's somebody who is linked. Ça va te lâcher, ça va sortir là. Quitte là. Quitte là. Tu vas vomir ça. Sortez au nom de Jésus. Quitte là. Quitte ta tête. C'est un serpent en forme de turban. It's a snake in the form of a turban. Quitte-la. Quitte-la. Quelqu'un pratique du vaudou contre elle. Il a somebody envoyé practices ce, voodoo ce against serpent-là. And he sent the snake comme un turban sur sa just tête. Just like a turban upon us, around her neck, around her head. Oh, les gens souffrent. In the name of Jesus. Cette femme ne veut plus de cette couronne-là. This woman doesn't want this crown anymore in the name of Jesus. Ça sort là. Ça sort. Wow. Il y a une autre personne au niveau de son dos. So there's somebody else in her back. In her, in his back. Un cadenas there's spirituel. A padlock, the spiritual padlock in her back. Là, tu sens comme une chaleur là. And you feel like ça va like, sortir de ton like dos. Like a heat in your back. Tu ne peux pas aller plus loin. You can go. À chaque further. Fois que tu avances, tu fais marche arrière. Every time that you move on, you go backwards. Il y a quelque chose qui te lâche there's something là. That is coming out of you right cette now. Chose là te lâche. There's something that's coming out parce of you. Parce que Dieu t'a choisi. Because the Lord has chosen you. Parce que Dieu t'appelle. Because the Lord calls you. Dieu libère the ta Lord vie. Sets your life free. Dieu libère ton dos. The Lord sets your back free. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Oh Dieu d'Israël, lâche cette maman. Lâche notre maman. Il y a des choses qui vous allez vomir des choses aujourd'hui là. Donnez-lui un autre sac là. Il faut acheter beaucoup de sacs en ce moment là. Les gens vont rendre leurs démons là. Les maladies incurables, ça va disparaître de vos vies là, au nom de Jésus de Nazareth. Je dis bien, si Dieu est mon Dieu, vos maladies là, ça va sortir au nom de Jésus de Nazareth. Mm-hmm. Il m'a dit, va et libère mon peuple. Tous ceux qui sont du Seigneur, tous ceux dont les noms sont écrits là-haut là, seront libérés au nom we'll de Jésus. Be free in the name of Jesus. Oh, on peut acclamer le Seigneur, frère. Oh, tu vas mieux? Tu es bon? Eh bien, garde ta délivrance au nom de Jésus. C'est ta fille là? Oh, alléluia. C'est ta fille? C'est toi qui l'as invitée? C'est le contraire? Oh, Dieu. Toi, tu vas beaucoup chanter pour le you Seigneur. Sing a lot for the Lord. Mm-hmm. Je t'ai déjà dit ça. Hein? Tu vois, Dieu est bon. Lève vos mains toutes les deux là. Lève vos mains. Oh, alléluia. Aidez-les. L'onction de Dieu est sur eux. Sur elles. Jesus Christ. Oh, alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Jesus. Délivré, le parler en langue automatiquement. Au nom de Jésus. Wow, Dieu est magnifique, frère. Dieu est bon. Dieu est bon. Ouh. Il y a une femme ici. Écoutez bien. Chut. There's a woman here. Qui a beaucoup de vertiges. She feels dizzy. C'est un démon.
It's a demon behind. Ce démon est surpris que je l'ai vu. This demon is surprised that I see her. Il va te lâcher. Là où je parle. And as I'm speaking, il est en train de te lâcher. It is coming out of you. Ce démon veut provoquer des maladies terribles dans ta vie. This demon wants to provoke Il veut provoquer la tension. He wants to produce high blood pressure. Tension artérielle. Dieu ne veut pas de cette maladie dans ta vie. High blood pressure of your arteries. Au nom de Jésus. Ce démon te lâche. This demon comes out of you right now. De Jésus, in the name of Jesus. Au nom de Yeshua. In the name of ma Jesus. Ma sœur, là où tu es. Dieu pose sa main sur toi. The Lord lay au hands on you. Yeshua. In the name of Jesus. Je commande I à command ce démon. This demon. Je lui donne l'ordre. I give him the order. De lâcher ta vie. Come out of your life. Oh Dieu. In the name of Jesus. Il amène toutes ses pensées. It brings all these thoughts. Ça t'attaque. That attacks you. Ça te perturbe. That bothers you. Dieu t'aime. God loves you. Dieu t'aime. In the name of Jesus. Si, quitte-la. Un démon qui amène le vertige, qui amène aussi le célibat. A demon that brings this feeling of disease and also celibacy. In the name of Jesus. Un de ses grands-pères. One of her grandfather. A pratiqué la sorcellerie terriblement. Practiced sorcery in a very powerful way. Il a vendu le mariage dans ta famille. And he sold marriage in your family. Personne ne doit se marier. Nobody have to be married. Voilà ce démon qui amène ses vertiges là. And that's this demon that makes you feel dizzy. Aujourd'hui, in the name of Jesus. Aujourd'hui, on acclame Jésus là-bas où ça sort. Oh Dieu. Lâche-la. 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 Vous savez ce qu'il me dit? You know what he's telling me? Pardon, jeune homme. Voilà mon grand, merci. Tu vas servir le Seigneur, hein? Dieu est bon. Alléluia. Merci. Merci mon grand. Oh Dieu d'Israël, il dit que c'est sa femme. He says that it's a she is her wife. C'est sa femme, il dit. Il dit je l'ai épousée. He says that I married her. Il dit qu'elle a épousé également sa fille. Oh pardon. Qui pleure, qui souffre. Mais aujourd'hui Dieu dit. Today the Lord says. Parce que tu as pleuré. Because you cried. Parce que tu as crié à moi. Because you cried. Cet esprit te lâche. This demon comes out. Lâche-la. Come out. Lâche-la au nom de Jésus. Comes out. Come out in the name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Jesus Christ. Il y a eu oh, je ne suis pas encore arrivé là-bas, le Seigneur est déjà là-bas. On peut acclamer Jésus, frères et sœurs. Jésus est vraiment partout. Voyez, c'est celui qu'il faut adorer, frère. Vous voyez comment il touche lui-même les gens. Vous voyez comment lui-même touche. Regardez lui-même comment il touche. You see how himself he touches people. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose. You don't need lui-même. People to lay hands on you. He himself. Écoutez. Listen up now. Dieu me montre ici. God shows me. Les sirènes des eaux. Mermaid of waters. Et des maris et femmes de nuit. And night husband and night wife. Qui sont très en colère. That are really angry at me. Toutes les personnes. All these people. Qui sont violées la nuit. That are raped at night. Vont être libérées maintenant. Will be delivered in the name of Jesus. Toutes les personnes. Up everyone. Qui ont l'esprit de célibat. That have the spirit of celibacy. À cause des maris, femmes de nuit. Because of the night wives and night husbands. Sur ce lieu. Anointing upon them. Je commande. I command. À ces démons. All these demons. De vous lâcher maintenant. To come out of you right now. Ça va vous lâcher. It will come out of you. Ma sœur, ça va te lâcher. My sister will come out of mon you. Mon frère, ça va te lâcher. My brother will come out of ce you. Ce serpent là. This snake. Ces corbeaux. These cobras. Ces chats nocturnes. Ces démons. This demon, ça vous lâche maintenant. It's coming out right now. Je dis maintenant. I say right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Allez remontez. Come out. Sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Là-bas, in the name of Jesus. Quitte-la. Quitte-la là-bas au fond. On acclame le Saint-Esprit, frère. Quitte-la au nom de Jésus. Oh Dieu. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort ici, là. Ça sort. C'est normal. Quand Jésus arrive quelque part, les gens sont délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Dieu d'Israël. Les gens sont possédés. People are possessed. Ils ont des problèmes, ils ne savent pas pourquoi. People are possessed and they don't c'est know des why. Entités spirituelles qui these les possèdent. Are spiritual entities. Écoutez.
et un démon de colère. Quelqu'un qui a hérité de la colère. La colère, tu n'en veux plus. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, c'est ta délivrance. Quitte ce corps. 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 Quitte-la. Quitte cette femme. Quitte cette jeune femme. Au nom de Yeshua. Quitte ça. Oh, alléluia. Il y a quelque chose là. Ça va te lâcher. Tu ne verras plus cette colère t'envahir. Tu ne verras plus cet esprit te contrôler. You will never see this demon jeune fille, you anymore. Voici ton jour. Younger, voici ta délivrance. This is your day. This is your deliverance. C'est un démon de colère, un démon guerrier. It's a warrior demon. Qui ne veut pas qu'elle soit tranquille, qu'elle ait une vie normale. Which does not want her to qu'elle be, puisse to même se marier life. Et être heureuse. That she may not get married and have a happy life. C'est un héritage que sa famille it's an inheritance that her lui a family légué. Has given her. Et Dieu la libère. And the Lord set her, set, Dieu la libère. Set her free. Dieu la libère. Lâche-la, 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 voilà. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Amène-la-moi ici, amène-la-moi ici. Amène-la-moi ici. Quitte-la. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu enlève cet héritage. The Lord is taking this inheritance away. Tu vas avoir un autre héritage. You will have another inheritance. Qui le croit? Who believes it? Oh, il y a une onction de délivrance sur elle. Jesus, aidez-la. Fini. Jesus, c'est fini. Wow. Oh. C'est la première fois que tu viens ici? La première fois. Dieu l'a libéré et il te remplit de son esprit, de force. Au nom de Yeshua. C'est fini. C'est bon. C'est réglé. Et c'est gratuit. Ouh. Une femme porte une ceinture depuis longtemps. A woman has been bearing a belt à cause de ton dos. For a very long time because of her back. Enlève-la maintenant. Take it out now. Il y a une guérison que Dieu t'accorde. There is a healing that the Lord wants to enlève-la. Grant you. Take enlève-la. It out, please. Take it off. Dieu va essuyer tes larmes. The Lord is going to wipe your tears. Tu as assez pleuré. You Dieu cried dit, enough. Ma fille. My daughter. Tu as assez pleuré. You cried enough. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Dieu va s'occuper de ta famille. The Lord is going to take care Dieu of your family. Dieu va s'occuper de ta famille, de ton foyer. Your household. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Le Seigneur te connaît. The Lord knows you. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh alléluia. Et ses enfants serviront le Seigneur. And these children of yours chanteront la gloire du Seigneur. They will sing to the glory of God. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Il y a une onction sur ses enfants. And there's an anointing upon your kids. Une onction sur elle. Une onction sur toi. Oh Dieu. Dieu d'Israël. Oh, cet enfant va beaucoup chanter pour Dieu. Waouh. Dieu ouvre son intelligence. Pour les études, c'était ta demande, ta prière. Acclamez le Seigneur, Dieu parle, frère. Oh, tu vas réussir, jeune fille. You will succeed. Tu vas réussir. You will succeed. Wow, Dieu restitue sa mémoire. C'est la première fois que vous venez ici? Non, c'est pas la première fois. Oh, Dieu parle, mes amis. Là. Dieu parle, mes amis. Le Seigneur est venu à toi parce qu'il te connaît. The Lord came to je you because dis, he knows you and he tells you. Tu vas faire des grandes études. You will do. Tu vas voir. You tu will vas beaucoup aider ta famille. Diplomas and you will help your family a lot. Tu vas beaucoup aider les pauvres. You will help the poor. Dieu te connaît. The Lord knows you. Wow. Voyez comment le Seigneur touche les enfants. Do you know how much people, Dieu how parle. Much the Lord touches the kids. Oui. Cette fille veut que Dieu lui parle. This girl wants God to talk to her. She wants God to help her out. Comme un médecin là, tu vas soigner just les like gens. Just like a physician, the Lord is. You are going to heal people. Dis au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Et Dieu me dit de dire, il est lui-même ton père. That he is your father. Ton père. He is your father. Ton père. He is your father. T'as vu? Moi je te connais pas, mais Dieu te connaît. I don't know you, but God does know you. Tu as besoin de ce père. And you need this father. Ouais. Hein? Elle voulait venir de vous samedi dernier. C'est ta petite fille. Que le frère Chora puisse prier pour moi, pour mes études, parce que j'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai envie de rien faire.
Oh, acclamez Dieu, frères et sœurs. Oh, Dieu parle, frère. Alléluia. Non, mais c'est magnifique. Attends. Je veux réécouter encore ce, okay, let me just le témoignage de sa grand-mère. The testimony of her grandmother. Qu'est-ce que ta petite fille disait? What did your grand, the great son, great daughter say? Elle m'a dit, je veux venir avec ton ami pour que le frère puisse prier she pour moi. She to come because parce she wanted the brother je, to pray for her. Je me sens pas bien, mes études, j'ai because pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie d'apprendre. Elle cool. prend des leçons pendant des heures et elle retient rien. Because she studies a lot, but she doesn't remember quand on a vu les personnes anything. Avancer, on lui a dit, mais c'était si va pour que le frère puisse prier pour toi. Elle me dit, je veux pas. J'ai dit, faut pas avoir peur. Va. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est là. Dieu est là. Il connaît toutes choses. Il connaît tous les cœurs. Waouh. Ben, Ceci, je t'ai vu travailler dans un hôpital, working in a hospital, en train de soigner les malades, healing people. Dieu te dit, il va te surprendre. He will, au nom de Yeshua. He will surprise you. Wow. In the name of Jesus. Tu vas beaucoup voyager dans les pays pauvres pour soigner les malades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te connaît. God knows wow. you. Ouh. Dieu est bon. God's good. Il parle même aux enfants. He even speaks to the il kids. Vient voir les gens là où ils sont. And he gets oh to the people Dieu. To speak to them. Wow. Qui nous a dit que Dieu ne parlait pas? Who told us that hein? God doesn't speak? Wow. Il y a quelque chose qui se passe ici. Hein? Il est là, le Seigneur. There are things going on here. The Lord is here. Wow. Oh Dieu. Alors cette femme qui a cette ceinture là, qui, so this n'est-ce woman pas, who has this belt, qui veut la guérison là, who wants healing, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci Loïc. Hein? La première fois que tu viennes, ok. D'accord, ça ne marche pas. Vous êtes marié? À la mairie, tout ça? Ok. Je fais un voyage. Et des fois, les billets, je ne l'utilise pas, il est parti comme ça. Je paye des pénalités pour rien, quoi. Vous êtes baptisé? Catholique? Catholique, ouais, c'est ce que Dieu m'a montré. Ouais, catholique, ouais. Vous voyez, Dieu parle, hein, frère. Hein? À la fin, on va vous voir tous les deux. D'accord? Dieu m'a montré des choses sur toi. Je ne vais pas le dire devant tout le monde. C'est ta vie secrète, privée. On va se voir d'abord. D'accord? Vous savez quoi? Ce soir, c'est l'amour du Père. Tonight, it's about the love of Dieu the Father. Sur son trône, il nous regarde comme ça. Et avec the un Lord sourire, is on his throne. Il restaure les cœurs de son peuple and et de ses enfants. Like that, and je vous his dis. Power. Wow. Tu brilles, Elodie. Ouais. Ah, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça va? Hmm? Il fait mal carré, il est mal dans. Ok. Mm-hmm. D'accord. Son premier fils pratique est dans cette secte qu'on appelle le Maïkari. Et aucun des enfants ne se marie. Il est dedans depuis combien de temps? Depuis longtemps, depuis son enfance. Ok, ben c'est normal pourquoi les gens ne se marient pas. Ça a été, ils ont été sacrifiés. Est-ce que tes autres enfants sont ici? Ok. Eh bien, Dieu va toucher cette famille. God is going to touch your family. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'autorité as a child of God, we have the authority de bénir les autres. To bless the other. Et nous voulons bénir cette famille. And we want to bless this family of hers. Maman, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Jésus-Christ que je sers. Jesus Christ that I serve. Libère tes enfants. Set free your children. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que tu ne meurs là, before you die, tu vas le voir marié. You will see your children. Est-ce que tu le crois? Do you believe it? Donne-moi ta main. Give c'est réglé. Et c'est gratuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. Wow! Quelqu'un ici là, ici. Somebody here. Ici. Here. A un problème de genou. Has a knee problem.
C'est toi? Viens. Viens aussi, là, je sens ici, voilà. N'hésitez pas, tous qui sont concernés, venez. Je dis, la personne en question a déjà été opérée, c'est qui? Tu as subi une opération? C'est toi? Ok, c'est toi. Les autres venez, c'est pas grave, on va prier pour vous. Parce que Dieu est le Dieu de précision, hein, mes amis, n'est-ce pas? Qui croit que le Seigneur est le Dieu de précision? Gloire à Dieu. Allez là-bas, on va prier pour vous. Voilà. Ok. Lequel? Ah ouais? T'as déjà opéré? Ok, là-bas. Quel genou? Opéré? Ok. Genou? Bientôt opéré? Quand? Le 26 de ce mois-ci? Oui. Tu veux pas de l'opération? Non. Là-bas, là. Lequel de genoux, là? Les deux. Les deux? Opérés, là? Ok, on va là-bas. Gauche? Se déforme de plus en plus. Ok, là-bas. Tu as été opéré? Tu as fait un AVC. Tout le côté, là-bas, là, ma soeur. Opéré? Genou gauche? Tu as été opéré quand? Ça fait depuis 2004. Depuis 2004? Ça fait toujours mal. Ok, tu te restes là. Vous pensez que ça, le Seigneur peut guérir tout ça là? Qui le croit? Jesus Christ, Jesus, Jesus, Jesus. Quel genou? Il y a une personne qui a un début d'arthrose. There is somebody that has arthrosis. Ok, les amis, priez pour leurs genoux, là, ça va aller. Vous inquiétez pas, même si c'est pas moi qui prie, le Seigneur a déjà parlé, donc c'est réglé. Oui, c'est elle. C'est la première fois que tu viens? Is that the first time you come? Qui t'a invité? Il y a longtemps qu'on m'avait invité par ma nièce Jeanne. D'accord. Hortense, qui connaît une Hortense ici là? C'est qui? Est-ce qu'il y a une Hortense ici là? Et une Hortense qui nous suit là, donnez-lui le numéro de téléphone pour qu'elle appelle, s'il vous plaît. Il y a un ange qui a été envoyé vers elle avec un paquet. There is an angel who has been sent to a certain woman called Hortense with a package, with a present. L'arthrose là, tu as reçu une arthrose, flèche. You've received an arrow. À cause de la jalousie. Because of jealousy. On veut que tu vieillisses avant. And they want you to grow old before the time. Le Seigneur l'enlève. The Lord is taking this arrow away in the name of Jesus. C'est fini, c'est réglé, this arthrosis, arthritis that you have is over. Oh. Tu vas bien toi? L'arthrose. Le diabète c'est comment? Wow. Des chaussures orthopédiques. Waouh. Vous pensez que le Seigneur peut? C'est fini pour se régler. Waouh. Tu es marié? Tu as des enfants? Ils sont chrétiens? L'aîné à quel âge? 30 ans? 20 ans? Le dernier a 20 ans. Il fait quoi? Il joue, hein? Il faut me l'amener celui-là. Là. Parce que j'ai vu qu'il a signé un contrat. C'est pourquoi je pose la question. Là. Il faut me l'amener, je veux parler avec lui. Dis-lui que on veut parler avec toi là-bas. Regardez-moi ces chaussures. Ça coûte cher en plus ces chaussures. Là. Combien? 700 euros. Vous pensez qu'il peut de nouveau avoir des chaussures normales? You think that he can have normal chrétien, shoes? Tendons nos mains vers lui, prions s'il vous plaît. Réclamons la guérison dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Donc si tu ne peux pas marcher sans ces chaussures? Hein? Je ne peux pas, si je porte des chaussures normales, je ne ferai pas même 100 mètres. Wow! Et si tu marches pieds nus, c'est comment? Pieds nus, j'ai des réactions comme... je peux vous montrer comment ça fait sur mes pieds. J'ai des réactions que l'os de ça sort. Waouh!
Oh Seigneur mon Dieu, mais là c'est terrible ça. Je suis foutu. Si je mets ça, je marche et je commence à boiter. Les gens souffrent. Hein? La prochaine fois que vous allez le revoir, là, il va avoir des chaussures normales. C'est bon. Il avait déjà rendu son passeport de diabète. Je vous dis, Dieu a fait des choses dans sa vie là. On a prié au nom de Jésus, il a ramené son passeport. Fini. Tout est stabilisé là. D'accord. Il y a une personne à qui on a dit que ses problèmes, Dieu risque de, n'est-ce pas, de d'aboutir à l'aveuglement. Tu risques de devenir aveugle à cause de ce problème. There's a person that has been said that her eyes will lead to blindness. Will lead to blindness. Mais comment je vais faire pour lire ta parole? And you told the Lord, how can I, how will I read c'est the toi? Bible now? On te l'a dit quand? Viens. En fait, c'était par songe et j'ai vu la dame qui est venue qui me disait va régler tes yeux parce que tu risques de ne plus voir. Ah, c'est pas toi. On va prier quand même pour toi. Pas de problème. Est-ce que Hortense, on lui a donné le numéro ou pas? 06 12 13 21 49. Prions pour cette femme. Ah ben, elle a saisi par la foi. Jesus Christ. Jesus. Vous êtes fatigué, j'ai l'impression. Le jugement est déjà rendu. Le Seigneur, dans l'esprit, tout est déjà clean, réglé. Tout est accompli. Le Seigneur me dit de te dire, c'est accompli, c'est réglé, définitif, tout ça là. J'ai vu le Seigneur avec un ruban, il a cadenassé, fermé les langues. Avant la fin de cette année, il va te surprendre. Oh Dieu de gloire. Il y a quelque chose qui m'a montré pour toi là, mais c'est terrible. C'est terrible. Je te dis, hein. Lui-même, il va te parler. Mais je c'est magnifique. Oh, Dieu parle, frères et sœurs. God speaks. Je t'ai vu en robe là, c'est quelque chose là. Saw you wearing a gown. Un homme de Dieu. Man of God. Terrible. Powerful one. Et vous allez faire des œuvres sociales. And you will do social works. Orphelinat, tout ça là. Orphanages. Voilà ton ministère. This is ce que your Dieu ministry. Te dit. Ma fille, c'est ta consolation. Tout ça au nom de Yeshua. Tout ça au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur débloque les finances. Je vois une construction en Afrique. Une maison de veuves. Orphelinat, école, tout ça. Je vois. Oh, alléluia. Tu vas voir. You'll comment see. Dieu va te surprendre. How God is going tu vas écrire un livre de témoignage. Ce que Dieu me dit. A book of testimony, au nom de Yeshua. Des ténèbres à la lumière. Comment from les oh, alléluia. Dieu. Dieu est glorieux God ici là. Glorious out here. Il y a des choses qui se passent ici. There are things going on here. Il y a des choses qui arrivent. There are things happening here. Pour ta famille. For your family. Ma soeur. My daughter. Le my Seigneur sister. Va briser les liens. The Lord is going to break pour ta off famille. The bounds for your family. Le Seigneur va briser les liens. The Lord is going to break off le Seigneur the voit tes larmes. The Lord sees your tears. Le Seigneur entend tes cris. The Lord, he le Seigneur hears te dit, tu verras he ma gloire dans ta famille. See my glory in your family. Le Seigneur te dit, je te fais une promesse. He says, this is my promise de to you. Délivrer ta famille. To deliver your de guérir ta famille. To heal your family. De restaurer les cœurs. Là où il y a eu la division, where there was division. Je mettrai l'unité. Je mettrai la paix. Unity. I will tu verras ma gloire se manifester. You will see my glory manifest jeune fille. Itself. Younger, Dieu te dit the Lord says, qu'il te libère that he sets you free de ce fardeau. From this burden. Il te libère he sets you free de ce poids. From this son onction load, vient sur toi. Comes upon il you. Te libère. He sets you free. Tu es comme dans une espèce de cage. You're like in a cage. Et tu tournes en rond. And you turn around. Tu te demandes pourquoi moi. And you ask why. You pourquoi wonder cette why. Souffrance. Why all this suffering? Pourquoi moi. Why me? Tu ne comprends pas pourquoi. You don't understand why. Le Seigneur te dit the Lord tells you, aujourd'hui today, je t'affranchis. I set you free. Je te libère I set you afin free. Que tu me serves so that you serve au me nom de Yeshua. In the name of Jesus. Jesus Christ. Oh, nom de Yeshua. Oh, une onction de délivrance sur elle, mes there's amis. An anointing of deliverance upon her, my friends. Oh, alléluia. Dieu la libère, là, frère. Dieu la libère, là. Je vous dis, Dieu la libère là, mes amis là. Jesus Christ. Oh.
Ce n'est pas ta femme. It is not your wife. She is not your wife. C'est un dorlis. It's a night husband. Un dorlis. A night husband. Qui ne veut pas voir cette fille épanouie. Which doesn't want to see this girl blossoming. Jesus Christ. Jesus. Oh. Tu as un début de paralysie. You start to feeling paralyzed. Tu sens tes membres se paralyser. You start feeling your members being paralyzed. De temps à autre. From time to time. Tu ne feras pas d'AVC. You will not have a stroke. Te rassure le Seigneur. Says the Lord. D'accord? C'est ce que le Seigneur te dit. That's what the Lord tells me. Rassure-toi. To tell you. Au nom de Yeshua. Be confident. Oh alléluia. Lève tes mains, frère. Raise your hands, brother. Lève tes mains, ouais. Raise your hands. Dieu veut servir de toi. The Lord wants to use de la délivrance. For deliverance. Tu verras l'onction de délivrance t'accompagner. You will see the anointing of deliverance going au with nom you, de Yeshua. Accompanying you in the et name tu vas of Jesus. D'abord faire cette délivrance dans ta famille. You will do these deliverances in your family. Comme Joseph. Just like Joseph. Dieu veut libérer ta famille au travers de tes mains. Deliver your family through il te your donne hands. Job 22:30. He says Job 22:30. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Seigneur, merci de l'accompagner. Thank you Lord for accompanying au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Oh. C'est bon. Alléluia. Les gens, les personnes stériles, levez les mains. Les gens qui veulent avoir des enfants. All the barren people. Tu es marié? Non. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un? Je sais que tu souffres. I know you suffer. Il est où ton ami? Where is your husband? Viens me voir à la fin. Les femmes mariées qui veulent des enfants. Married woman who wants he went to worship. Venez. Come up front. On vient à peine de les acheter, hein. Hein? Alléluia. Il n'y a plus rien. Donne-lui un pan. Alléluia. Alléluia. Vous êtes toutes mariées là? All of you are married. Bon. Qui veut des jumeaux ici? Wow! Chrétien, Christian, tout est possible à celui qui croit. Levez nos mains. It's possible to whoever believes. Oh! Alléluia. Alors bénissons-les. Alléluia. La gloire de Dieu vient sur elle. Maintenant, aidez-les. Aidez-les. Voici la gloire de Dieu. Aidez-les. Oh Dieu de toi. Voici pour toi. Il y a une onction ici là. Salut. Oh. 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 Oh mon Dieu. Jesus. La voici sur toi. La voici sur toi. Aidez-les. Brise la stérilité. Les démons de stérilité sont chassés. Alléluia. Chut, chut. Merci. Il y en a une là, c'est une femme de sa famille qui est assise sur son ventre. There's one of them. Elle la quitte.
elle la quitte. Alléluia, je dis bien, alléluia. Elle la quitte. C'est une femme du village. Elle est assise là. À cause de la jalousie. Because of jealousy. Ce démon là. This demon. Il lâche ma sœur. Is coming out of my sister. Quitte-la. Come out. Quitte-la. Come out. Esprit de stérilité. Spirit of barrenness. Il y a une deuxième là. There's another one. C'est un serpent qui mange tous les œufs que tu as. It's a snake that eats all the eggs that you have. Ce serpent là. This snake. Dieu l'enlève. God takes it away. La semaine qui arrive là, tu vas concevoir. This week you will conceive. Oh Dieu! Pas! Il y en a une troisième. There is a third. C'est un démon qui fabrique des fibromes, tout ça là. There is a spirit that creates fibromes. Kyste bizarre, fibromes bizarres, tout different ça là. Cysts, ça va te lâcher là. It will come out of you. Ça va te lâcher. It will come out of you. Ça pousse à chaque fois là. Ça. Une autre encore, on dit les trompes sont bouchées. There is another one. Quitte sa trompe là, au nom de Jésus. Quitte sa trompe. Quitte sa trompe. Pars au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Regardez bien, hein. Vous allez voir comment elles vont concevoir. We'll see how they will conceive. Frère, vous allez voir tous ces bébés. Oh non, non. Sors de là. Allez, quitte. Ça, c'est la sirène qui danse là, Shiva. It's a mermaid. Aidez-la là, c'est un autre démon qui sort là. Là, c'est la sirène. It's a mermaid of waters. Elle a une longue queue. She has a long tail. Vous avez vu ça? On ne comprend pas, la médecine n'arrive pas à soigner ces femmes. Ce sont les démons qui sont là qui bloquent. Ça, c'est la sirène des eaux. Mami Wata, c'est elle là. Elle a transformé cette femme en reine. This demon transformed. Elle donne naissance dans le monde spirituel des enfants mystiques. In the spiritual world, she gives. Voilà pourquoi elle ne peut pas concevoir. Spiritual children, that's why she cannot conceive. Là, sa queue la brûle là. And now her tail is burning. Il y a des choses, hein, mes amis. There are things, brothers. Vous avez vu ça? Did you see that? La sirène. The mermaid of water. Mami Wata. Lâche-la. Come out. Lâche-la. Come out. Tu es démasqué, lâche-la. You are exposed. Come lâche-la. Out. Lâche-la. Come out. Lâche-la. Come out. Lâche-la au nom de Jésus. Come out in the name of Jesus. C'est au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Tu vas quitter ma sœur. You come out. Et tu ne vas plus revenir dans sa vie. Come back. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Tu la lâches maintenant. Come out. Tu la lâches. Come out. Et en sortant d'ici, elles vont partir avec leur bébé. Coming out of here, they will live with their children. Oh Dieu! Oh. Une autre personne se souffre. Another person here suffers. On voit pas la maladie. We don't see the disease. Examen sur examen, y a rien. Checkups on checkups, but nothing is revealed. On ne voit rien, c'est normal. Nothing is revealed. It's normal. C'est un démon qui te tue. Because it's a demon that's killing you. Petit à petit, il a décidé de te tuer. Gradually, the demon has decided to kill you. Mais mon Dieu te dit. But now God says. C'est fini. It's over. Fini. It's over. Fini. It's over. Ce démon le sait. This demon knows it. C'est fini. It's over. Au nom de. In the name of. Jésus de Nazareth. Fini. It's over. Touche là où tu avais mal. Regarde. That's where touche. You were suffering. Diabète, c'est fini là. Diabetes, it's over. Tu vas manger du sucre normalement. You will eat sugar. Tu vas boire tout ce que. Je vous, dis, hein, je vous dis, je déclare cela au nom de Jésus. I declare this in the name of Jesus. C'est bon? Ton mari est là, ma soeur? Oh, alléluia. Jesus Christ. Wow. Que les hommes qui sont ici, là. Y a-t-il les hommes qui sont ici? Les hommes de ce. Les maris sont-ils présents là? Venez chercher vos femmes ici avec vos enfants. Alléluia! Jesus! C'est comme un jeu, mais c'est pas un jeu. Like venez, game, ah, tu as pris ta game. Femme. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Gloire à Dieu. Mon frère, Dieu va te surprendre.
Dieu que je sers va te surprendre. The Lord that I serve will surprise you. Voilà, c'est la femme qui t'a donné. The wife that he gave you. Avec des enfants comme ça, là, ça va venir au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Venez nous les présenter pour qu'on donne toute la gloire au Seigneur. Au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les femmes qui veulent se marier, qui se disent, ah non, c'est comme si là j'ai passé tout ça là. Les femmes célibataires là, je vous dis, il y a des choses qui arrivent. Venez ici. Aujourd'hui. Alléluia! On acclame Jésus de Nazareth. Jesus. Oh, alléluia. Alléluia. Il se passe des choses ici. Things are going on. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. It is not good for a man to be alone. Même à ton âge, il n'y a pas d'âge. Dieu aime la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Amen. Que les couples mariés seulement. Car on ne donne que ce que l'on a. Que les couples mariés lèvent leurs mains. Bénissons-les. Levez vos mains aussi et recevez la grâce de Dieu. 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 Recevez. 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 Recevez la grâce de Dieu. Oh. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur pour elle. Alléluia. Oh Dieu. Oh, il se passe des choses ici. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est bon, vous avez été bénis. Au nom de Jésus. Ça va aller. Okay. Lève ta main. Jésus. Sois libre, 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 libre. Quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Nazareth. Hein? C'est bon. Amen. On peut partir. On peut partir. Avoir quoi? Le mari. Eh bien, c'est déjà donné. Alléluia. La gloire à Dieu. Viens me voir à la fin. Ok. Les femmes de sa génération ne restent pas mariées dans sa famille. Qui croit que cette malédiction peut être brisée? Au nom de Jésus. Femme, sois libérée. Quitte-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Quitte. C'est un démon de célibat là qui va lâcher cette femme. Celibacy that's coming out. Jesus Christ. In the name of Fini. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Ça sort. Et comme elle est délivrée, toutes les femmes de sa génération libérées. Waouh, alléluia. Jesus. Alors remonte et sort. Ramène-la. Laurent, ramène-la. Ta fille n'est pas là. Oh, lève tes mains encore. Il y a une onction de délivrance sur toi là. Jesus Christ. Oh. Il y a une onction de délivrance là. Il est exalté. Il y a quelque chose là sur moi là. Quelque chose. Oh. Quelque chose ici. Jesus. Jesus. Dieu l'a rempli en même temps.
Jesus. The Lord fills her, her up in the name of Jesus. Jesus, le roi des nations. Le roi des nations. Le roi des nations. Le roi des nations. Oh! Il est là! Him. Il renouvelle vos dons. And may renew your gifts. Il renouvelle nos grâces. He renew our graces. Prions maintenant pour nos familles, pour la France, pour l'Europe. For Europe. Il y a quelque chose de fort. There's something strong here. Il y en a qui retrouvent leur zèle d'avant. Leur vie de prière. Leur consécration. Le roi vous aime. Toi qui es amoureux, amoureuse de Jésus. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Anne, il t'appelle. Mirabella, il t'appelle. Il vous aime. Il est jaloux et il ne veut pas que les hommes vous touchent. Ma fille Mirabella, je t'ai envoyé. Je veux t'enseigner moi-même. Et tu vas sauver toute cette jeunesse. Dans cette église, Dieu va toucher les cœurs des jeunes. Oh Dieu d'Israël, prions Dieu, prions tous ensemble. Bénissons-le. Il mérite notre louange. Père, reçois la gloire, papa. Nous sommes un peuple libre maintenant. Libre de l'adorer. Libre de le louer. Libre de le manifester notre attachement à lui. Alléluia. Louons-le. Père, je t'en supplie, prends toute la gloire. Father God, receive all the glory. Toute la gloire, Seigneur all Jésus. The glory, Lord Jesus. Toute la gloire, Seigneur Jésus. All the glory, O Lord. Receive all the glory. Toute la gloire. All the glory. Pour tout
tous ces bébés que tu as donnés. For all these kids, all these pour tous ces miracles que tu as opérés. All these miracles that you've operated. Seigneur, reçois la gloire. Lord, receive the glory. Parce que tu m'as créé. Because you created me. Reçois la gloire, Père. Receive the glory. Reçois la gloire, Père. Receive the glory, Father God. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, ô mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Reçois la gloire, Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Reçois, tu peux, que je trouve, va donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Oh Père, oh Père, oh Père, oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Jésus, merci Seigneur. Oh Père éternel, tu es Dieu Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait Seigneur. Merci. Merci pour ta seigneurie Seigneur. Oh éternel des armées.
Oh Père, merci pour le cœur que tu consoles, mon Dieu. Alléluia, Papa. Oh merci Jésus, merci, merci. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci pour ta présence, Adonai. Merci, oh Dieu. Oh Père, merci Jésus. Oh Adonai. Oh notre Dieu, notre Maître. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Rababasaka. Oh Jesus. Oh Elohim. Oh le Dieu, l'éternité, l'éternité. Il est Dieu. Alléluia. Oh Père, merci. Merci Père, nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Seigneur. Nous t'élevons Adonai. Nous te donnons toutes sortes de gloires. Nous t'élevons Adonai. Tu mérites les adorations Seigneur. Tu mérites les acclamations Père. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Père. Tu es Dieu Père. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu. Oh mon Dieu mon roi. Le roi des rois. Le Dieu des nations. Le Dieu de la Bible. Oh Dieu. Merci Père. Maïko Yabasaka. Jesus. Oh Rababasaka. Il mérite l'élévation. Il mérite l'adoration. Jesus. 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 Le roi des rois. Il est le roi des rois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que puis-je te donner, Papa? Oh Seigneur. Où irions-nous, Père? Seigneur, regarde l'état de l'église. Oh Père, oh Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Père de gloire, oh Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu, Seigneur. Tu as suscité, Seigneur, tes enfants, Seigneur, oh Dieu, pour nourrir ton peuple, Seigneur, dans ce temps de la fin, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, Seigneur. Père, alléluia. Père, oh Dieu de gloire. Merci, Seigneur, tu as pensé à nous, Père de gloire. Jésus, alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Père, garde ton serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse accomplir, Seigneur, ta mission, Seigneur. Garde-le, Père. Oh Dieu, préserve-le, Seigneur Dieu. Jésus, alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Oh, c'est toi. C'est toi, Père. Merci pour la consolation, Seigneur. 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 Jésus, Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Adonai. Merci Jésus. Tu es Dieu, Père. Oh Jésus. Le cœur pleure, Seigneur. Beaucoup sont blessés, Seigneur. Beaucoup sont dépouillés, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as permis que le cœur soit, oh Dieu, restauré, Seigneur. Oh Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Pour deux. Ceux qui peuvent s'incliner devant lui, il y a un chant que les anges chantent en ce moment. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. Tout est accompli.
accompli. Tout est accompli. Voile déchiré. Tout est accompli. Via tout est accompli. Déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli, assuré, tout est accompli, ah, oh, tout est, oh, yo, yo, et déchiré, alléluia, alléluia, you, allez, assuré, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort? Merci Jésus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu.